C'est comment je fais un biberon, moi. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose. Solène, s'il te plaît. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis en train de régler la qualité de l'image. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le direct. Je suis en train de faire les derniers réglages. Je suis en train de... Ce soir, nous sommes dans le cadre de l'émission... L'heure juste de vérité. Manager, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Bonsoir, monsieur Sanoussi. Bonsoir, monsieur Félix Zongo. Merci. Alors là, j'étais très attendue. Oh, 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 oh. Eh bah, ben, je suis en train de régler. Je ne sais pas, j'ai un problème avec ma deuxième lumière. Voilà, je pense que là, c'est bon. Excusez-moi, hein, j'ai diminué l'intensité de la lumière parce que j'aime bien rester dans mon état naturel. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez? Salut, 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 je préfère être en vrai. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oh là là, oh là là, oh là là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien hein, et que vous avez passé une très bonne semaine, voire un bon week-end. Alors ce soir, nous sommes dans un cadre spécial. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et vous-même, vous savez comment ça se passe. Quelqu'un me dit... Connecté depuis la ville de Chicapa. Voilà. Aujourd'hui, Mitch comme event est un peu en décontracté parce qu'il fait extrêmement chaud. Je vous exhorte hein, à vous hydrater. Mais vraiment à hydrater-vous. Voilà, parce que là, il fait extrêmement chaud. Buvez beaucoup d'eau. Voilà. Hydratez-vous, hydratez-vous. Voilà. Laissez le corps respirer. C'est très important. Alors. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct parce que ce soir, nous allons recevoir une personnalité très importante. Et quand elle parle très fort. C'est quelqu'un d'assez coriace. Alors, je demande, quelqu'un me dit qu'on était déjà depuis la ville de Chicapa. Merci, monsieur Anaclé Konkou. Christine Marquilly, c'est, d'accord. Donc, je demande à mon équipe de community management de sécuriser. Parce que la dame que nous allons recevoir ce soir, c'est une dame qui intègre, c'est une activiste camerounaise qui croit, d'accord, à ses idées. C'est une activiste, une combattante de la première. Alors, vous savez comment ça se passe quand elle prend la parole. J'invite donc
mon équipe de community management a sécurisé le direct. J'espère que mon manager est déjà de l'autre côté. J'espère que toute l'équipe est déjà en place parce que ça va aller très vite. Entre-temps, le temps de vous laisser partager, je vais planter le décor. Je vais d'abord remercier toute mon équipe de community management qui coordonne tous mes directs. Je remercie également tous les internautes qui ont propulsé l'émission Phare, l'heure juste de vérité. Je remercie également ces internautes qui propulsent ma page. Aujourd'hui, ma page a plus de 74 000 abonnés. Je ne vais pas compter la page YouTube qui est à 77 000. Ma deuxième page est à 23 000. Je suis très suivie actuellement. Alors, je remercie également les autorités camerounaises qui viennent de faire leurs entrées dans cette émission. Je tais les noms par discrétion, mais ce que je voudrais vous faire comprendre ce soir, c'est que tout le monde est là. Il y en a qui me suivent en sous-marinage. Bonsoir à vous depuis votre position. D'autres qui laissent leur caméra ouverte. Merci encore. Et il y a aussi des émissaires. Tout le monde est là. Donc, ce soir, nous allons faire un direct magnifique. Une très belle émission. Et cela dans le respect. Ce soir, c'est l'heure juste de vérité. Vous connaissez le principe. L'heure juste de vérité, c'est tout simplement dans l'optique soit de débattre d'un sujet chaud de la toile, soit d'analyser, d'accord, certains sujets, d'analyser certains dossiers. L'heure juste de vérité consiste à décrypter, à analyser, à donner son point de vue dans le respect et à débattre. Alors ce soir, nous allons recevoir une grande dame, une autorité. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui est à la tête d'un mouvement. Pour ce faire, je vous laisse 2 minutes pour procéder au partage et je plante le décor. Je rentre dans l'introduction. Mon équipe de community management sécurisait le direct. Je le redis pour la 3e fois parce que quand cette dame va rentrer, ça va commencer. Merci encore à tous les internautes qui regardent ma page parce que ce n'est pas du tout facile d'avoir une ligne éditoriale où on n'entre pas dans le cadre des clashs et d'être très suivi. Merci encore à vous de m'encourager dans ce sens. Merci à toute l'Afrique qui est connectée ici ce soir. Merci encore à toutes ces communautés qui prennent de leur temps pour venir m'encourager sur ma page officielle. Je vous dis ce soir que cette émission sera relayée sur toutes mes pages officielles et y compris sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Mon compte c'est Mitchcom Event avec S. Voilà. Donc sachez que cette émission ira très très loin. L'émission d'aujourd'hui est très attendue. L'émission d'aujourd'hui sera relayée sur toutes mes pages officielles, y compris sur ma chaîne YouTube. Merci. J'espère que vous avez fait des partages parce que ça va commencer. Bonsoir à tous et bienvenue dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Une émission qui a pour but, hein, évidemment, de débattre, d'analyser et de s'exprimer librement sans langue de bois. Oui, une émission qui permet d'aborder des questions sociopolitiques et sportives et aussi une émission qui permet de recevoir les invités de tous bords politiques, je précise, afin de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'elles pensent sans langue de bois. Alors, et cela bien sûr dans le respect. Ce soir, nous allons recevoir une dame, une grande dame qui n'est qu'autre que, j'ai cité, la plus grande figure de la résistance anti-Biya dont la diaspora camerounaise, j'ai cité Sandy de Boston. Alors, je vais essayer de prendre cette dame. Il faut dire que pour ceux qui ne le savent pas, pardon, que la surnommée Sandy de Boston a une véritable identité. Nous allons tous découvrir ça ici, ce soir. Alors,
Je vois que le compteur est en train de monter. Ça monte, ça monte. Je vais essayer de faire rentrer cette dame. Voilà. Si elle est déjà là, si elle peut m'écrire. Oui, elle est là. Alors. Général Sandy de Boston, vous envoyez la demande d'amis. Je m'excuse hein, pour les lumières. Madame Sandy de Boston, ça rejette. Je ne sais pas si vous pouvez sortir et revenir parce que ça me met échec. Ou alors, si vous avez un deuxième compte, si vous pouvez vous connecter. Bonsoir. Alors, nous allons essayer avec... Je vous ai dit qu'il faut sécuriser parce que c'est une dame qui est très, très... excusez-moi, qui est très suivie, mais aussi très combattue. Donc, j'ai renvoyé la demande d'Ami. J'espère que cette fois-ci, ça ira mieux. Alors, donc, entre-temps, partagez, partagez. Alors, comme je le disais tantôt, ça me met, l'ajout est en cours. On va attendre, donc partagez, partagez le direct. Donc, alors, on va reprendre. Elle m'a envoyé la demande. Je vais essayer de reprendre. Alors, Madame Sandy de Boston, attendez, je viens de vous envoyer la demande. On me marque la demande est en cours. Essayez d'accepter de votre côté. Oui, c'est qu'on a envoyé la demande au même moment. Alors, moi, je vais suspendre la mienne. Est-ce que vous pouvez me renvoyer la demande, s'il vous plaît, parce que je viens de suspendre la mienne. Alors là, il faut qu'on se batte pour faire rentrer cette dame ce soir. Est-ce que vous me renvoyez la demande, s'il vous plaît? Je viens d'annuler la mienne. Donc, partagez, partagez le direct. Voilà. Oh, je vous disais tantôt que c'est une dame qui est très attendue, qui est aussi très combattue. Donc, on va reprendre. J'ai renvoyé la demande d'amis. Essayez d'accepter de votre côté. Voilà. On va croiser les doigts parce qu'il va falloir qu'elle rentre. Ah, voilà. Bonsoir, Général. Bonsoir, Miche. Et merci de m'accueillir dans ton programme ce soir. Bonsoir aux plus de 115 internautes qui nous suivent ce soir, pour le moment. Ouais. Je tiens à préciser, je voudrais d'abord savoir, Madame... pardon, Général Sandy de Boston, si vous me voyez ou j'ai la tête coupée ou parce qu'il faut qu'on règle, voilà. Est-ce que c'est bon? Vous me voyez totalement? Oui, on vous voit, on voit votre visage, oui, oui. D'accord, très bien. Alors, nous allons laisser le Général faire procéder au dernier âge, le temps pour elle aussi de partager. Entre-temps, vous aussi partagez, le compteur est en train d'exploser, ça commence à monter. Je tiens à préciser, Général, avant que de commencer ce direct, de vous faire une mise en garde, que le compteur qui compte aujourd'hui les 133 personnes, ce sont des personnes qui veulent être vues. Mais je tiens quand même à vous le dire de manière officielle qu'il y en a qui sont là, c'est beaucoup plus, mais il y en a qui sont en sous-marinage, qui ne veulent pas ouvrir leur caméra. Regarde, il y a des observateurs, il y a des émissaires, il y a les autorités camerounaises qui sont là. Tout le monde est là. Et je remercie ces derniers parce qu'ils ont bel et bien là, ces chères autorités camerounaises, parce que beaucoup de choses vont se dire ce soir. Je remercie également les activistes qui viennent de faire aussi leurs entrées, que ce soit les activistes camerounaises ou les activistes gabonaises. Ils sont tous, en tout cas, toutes les communautés sont représentées. Donc, je préfère être franche avec vous parce que généralement, je ne voudrais pas que ça soit, que ça ressemble à un piège parce que là, sur le compteur, c'est autre chose. Mais après, le direct, c'est il y a une autre réalité. Merci encore. Bonsoir, rebonsoir à tout le monde. Comme je vous le disais tantôt, ce soir, nous avons une grande dame. Je demande à mon équipe de community management de sécuriser ce direct parce que ça va aller très vite et très fort. Vous-même, vous connaissez le franc-parler de cette dame. Vous savez le nombre de combats qu'elle a eu à faire. Vous avez vécu plusieurs choses avec elle. Vous avez vécu plusieurs actions avec cette dame. D'où je demande à mon équipe de community management de sécuriser le direct. Alors,
Sans plus tarder, comme je vous le disais, ce soir, nous recevons l'activiste camerounaise, j'ai cité Madame Sandy de Boston. De son vrai nom, Émilie, je donne le prénom, je tais le nom par discrétion. Ça, j'ai ce droit de réserve parce qu'elle n'aimerait pas, voilà, sans son autorisation, que sa véritable identité soit divulguée. Je m'arrête donc au prénom Émilie. Alors, Madame Sandy de Boston, j'ai fait des recherches sur vous. Il faut préciser que pour ceux qui ne le savent pas, la surnommée Sandy de Boston que vous avez en face de vous est dotée d'un bagage intellectuel incontestable et d'un brillant parcours estudiantine, parce que on l'envoie cette dame tout le temps dehors en train de se battre, mais je me suis penchée un tant soit peu sur son parcours scolaire. Alors j'ai découvert que cette dernière a fait ses études d'abord, ses études primaires je précise, à l'école publique de Bépanda à Douala et ensuite au secondaire au lycée d'Akwa je crois, où elle obtient un baccalauréat D. En général, si je me trompe, hein, vous pouvez m'arrêter parce que ça, ce sont mes recherches personnelles que j'ai faites. Quand on a un invité ou une invitée en face de nous, il va falloir maîtriser l'invité et savoir qui est-elle réellement. Alors, Madame Sandy de Boston, après ce magnifique parcours, hein, est partie du Cameroun. Nous saurons tout à l'heure pourquoi. Mais il faut dire que c'est une dame qui porte une double casquette. Elle est non seulement dans son milieu professionnel, parce que, attention, elle a aussi fait du commerce. Elle va nous dire, si elle veut, hein, elle va nous ouvrir un peu sa face cachée. Elle va parler un peu d'elle tout à l'heure. Moi, je reste brève parce que cette dame regorge, elle est pétrie de talent. C'est une personne dans sa vie professionnelle, s'il vous plaît, qui n'est pas assise à la maison, hein, mais qui a une vie bien structurée. Elle mène une vie de famille heureuse. Elle est mère d'enfants et aussi, elle est très calée, d'accord, intellectuellement, politiquement et professionnellement. Alors, Madame Sandy de Boston, bonsoir. Bonsoir, Mich, et rebonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon, depuis le Cameroun, mais surtout aussi en diaspora. J'en profite pour faire un coucou à tous mes camarades de lutte qui sont en ce moment connectés dans ce live et bien sûr, bonsoir à nos chères autorités camerounaises à qui nous demandons justement d'améliorer notre pays. Alors, je tiens aussi à annoncer ce soir, Madame Sandy de Boston, que comme le débat sera rude, comme un combat rude évidemment, nous allons de temps en temps vous permettre de souffler un peu avec évidemment la partie publicitaire. Madame Sandy de Boston, il y a une jeune femme, une dame camerounaise qu'on appelle Madame Glams, qui va envoyer sa demande d'invitation, ou que je vais repérer tout à l'heure, qui va profiter évidemment de cette audience, de cette visibilité, pour pouvoir, comme on le dit, il faut aider. Nous sommes venus nous battre sur le continent africain, c'est l'Afrique qui gagne, il faut pousser nos sœurs tant qu'on peut. Alors elle viendra vous présenter, elle fait donc du commerce, hein, elle viendra vous présenter les plus beaux modèles, hein, pour vos soirées, parce qu'il y en a, c'est l'été, il faut être belle, il faut être sexy, donc voilà, on va prendre cette partie publicitaire tout à l'heure, mais ce sera dans quelques minutes, je dis dans 30 minutes, on laissera de temps en temps le général le temps de souffler. Donc voilà comment, Madame Sandy de Boston, voilà comment va se dérouler l'émission. Alors, sans plus tarder, Madame Sandy de Boston, vous êtes prête? Je suis prête. Général, malheureusement. Arrangez bien votre béret, parce que voilà, l'avion va décoller. Top, créneau, c'est parti. Madame Sandy de Boston, qui êtes-vous réellement? Je vous laisse le son de vous présenter. Merci. Merci, Mich. De me donner ainsi l'opportunité pour la première fois de façon officielle de me présenter vraiment au public qui nous suit. Alors, mon nom de combat, c'est Sandy Boston. Pourquoi Sandy Boston? Simplement parce que mon deuxième prénom, c'est Sandra. Sandy est un diminutif de Sandra. D'accord. Et Boston est un surnom que j'ai adopté parce que les Camerounais n'arrivaient pas à prononcer mon nom de dame. Qui, vous savez que je suis, j'ai épousé un Anglais et donc, dont j'ai adopté le nom. Donc, Boston, c'était plus facile. C'est pour ça que je suis Sandy de Boston dans le combat. Alors, qui suis-je? Je suis une jeune femme camerounaise, jeune, si on peut le dire ainsi. J'ai 44 ans et
Je suis une femme qui est éprise de justice, qui se bat pour la justice, l'équité, l'état de droit dans son pays. Je suis une femme qui, comme vous l'avez si bien dit à l'entame de votre programme, qui est partie du Cameroun après un parcours assez diversifié, et qui s'est retrouvée en Angleterre, qui a une famille, qui est une femme professionnelle, mais qui aujourd'hui, au vu de la situation de notre pays qui est assez alarmante, a décidé de se battre afin d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens au niveau du Cameroun. Madame Sandy de Boston, tout à l'heure, j'ai fait une mini biographie concernant votre modeste personne. Hein. Alors, la question qui me vient tout de suite à l'esprit est celle de savoir, après ce beau parcours du côté du Cameroun, dans le cadre, je vais dire, estudiantine et professionnelle, vous vous retrouvez du côté de l'Europe. Tout à l'heure, j'ai entendu parler d'un petit point, il s'agissait de cette partie privée où vous êtes marié à un Anglais. Est-ce que ce sont des raisons qui vous ont déporté du Cameroun à l'Europe? Pourquoi êtes-vous rendu en Europe? Merci, Mich, pour cette question. Déjà, je vais apporter quelques éclaircies sur mon parcours au niveau du Cameroun. D'accord. Et à partir de là, les gens vont comprendre comment et pourquoi je me retrouve en Europe. Mm-hmm. Alors, je suis née d'une famille mixte, je vais dire une famille multiculturelle au Cameroun. Ma mère est issue du sud Cameroun, du sud profond, mm-hmm. De San Mélima, qui est la zone originaire du président de la République du Cameroun, de facto, M. Paul Biya. Et mon père, il est issu de l'Ouest Cameroun, la région du principal opposant au régime, M. Kamto. Alors, mm-hmm. mes parents étaient des personnes aux revenus très, très faibles. Je suis issu, évidemment, d'une famille très pauvre. Mon père faisait les transports entre Douala et Yaoundé et ma maman, elle se débrouillait au niveau du Paris Mutuel Urbain Camerounais, le PMUC. Donc, j'ai eu un parcours scolaire, comme vous l'avez dit, École publique de Bépanda Omnisport, lycée d'Akwa, qui a été très, très brillant. J'étais la première du centre du lycée d'Akwa mm-hmm. lorsque j'y entre en 1989 avec une bourse d'État, bien sûr. Et je suis boursière jusqu'à la classe seconde. Mm-hmm. À l'année où on arrête complètement de payer les bourses aux Camerounais à cette période-là. Donc, j'opte pour la série D parce qu'évidemment, ma mère veut que je sois médecin. Mm-hmm. Et j'obtiens mon baccalauréat D. Sauf que ma famille étant très pauvre, mes parents n'ont pas les moyens de me payer les frais d'université qui s'élevaient à l'époque à 50 000 francs l'année. Plus les diverses fournitures qu'il faut pour les étudiants. C'est ainsi que je me lance dans le commerce du manioc. D'accord. Voilà, donc je fais ce qu'on appelle au Cameroun la bayam selam. Mm-hmm. Je fais du commerce, du petit commerce pour aider à payer mes études, soutenir ma famille, ainsi de suite. À cette époque-là aussi, je tombe amoureuse d'un homme avec qui je passe quelques temps, j'étais, je crois, en deuxième année universitaire et je perds un bébé au Cameroun. Suite à la perte de mon bébé, je me dis, OK, il faut que je prenne ma vie en main. Je trouve un boulot au PMUC où je travaille pendant un an et c'est à cette période-là que je fais la connaissance de l'homme qui va devenir mon époux, qui vient au Cameroun pour... du football, parce que c'est aussi un amoureux de football. D'accord. Et tout le monde sait que je suis une férue de football. Mm-hmm. Donc, et à l'époque, on se discutait, voilà, le match Angleterre-Cameroun des quarts de finale de la Coupe du Monde 1990 et tout. C'est ainsi que je fais la connaissance donc, de ce jeune fonctionnaire anglais qui est venu regarder un match de football au Cameroun. Mm-hmm. Et voilà, le courant passe, nous tombons amoureux. Nous communiquons, ensuite il retourne en Angleterre, nous restons en communication pendant 3 mm-hmm. ans avant de nous marier. Il vient évidemment au Cameroun pour m'épouser et me ramène avec lui en Angleterre. Donc, je voudrais surtout, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, hein, mais on sait déjà
que vous êtes rendu en Europe pour des raisons familiales. Tout Après, à si vous fait. avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le dire, hein, mais vous êtes aussi libre, et c'est de votre droit d'avoir le droit de réserve. Allez-y si vous avez quelque chose à compléter. Non, tout à fait. À l'époque, mon époux m'avait donné le choix. Il m'avait demandé si je voulais qu'il s'installe au Cameroun et il était prêt à faire voilà, le transfert au niveau de l'ambassade du UK au Cameroun pour servir, parce que c'est un fonctionnaire de Sa Majesté. Mais à l'époque, voilà, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, pour moi, m'installer au Cameroun avec ce jeune homme venu, il faut rappeler que lorsqu'on se marie, il a 25 ans et j'ai 26 ans. Donc, on était tout jeunes. Et donc, je ne voyais pas de perspective pour nous en tant que famille, en tant que couple au Cameroun, au vu de la situation qui prévalait déjà, au vu de ce que j'ai vécu moi-même. Alors, j'ai préféré suivre mon époux en Angleterre et c'est comme ça que j'arrive en Angleterre en 2006. Pour des raisons de vie privée et familiale, Madame Sandy de Boston, Général Sandy de Boston, va se rendre en Europe. Je viens de lever un équivoque parce que dans les coulisses, hein, Madame Sandy de Boston, il était question que vous allez fuir le Cameroun, que vous êtes exilée politique, que vous ne pouvez plus remettre les pieds au Cameroun. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, les lanternes, j'ai profité d'éclairer la lanterne des internautes. Madame Sandy de Boston n'a jamais été expulsée du Cameroun, mais ce sont les raisons familiales qui l'emmènent à venir du côté de l'Europe par amour pour son mari. Merci encore pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, où les gens s'expriment sans langue de bois et où on débat de tous les sujets. Alors, Madame Sandy de Boston, avant que de rentrer de plein pied maintenant dans la partie que vous connaissez, je voudrais vous demander à chaud, parce que le Cameroun vient de remporter une victoire. Nous sommes dans le cadre de la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Hein. Donc, votre ressenti à chaud, comment vous vous sentez après cette victoire des Lions Indomptables du Cameroun face au Cap-Vert? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi apporter juste une petite rectification. Oui, je suis partie du Cameroun avec un visa épouse, c'est-à-dire pour des raisons familiales. Mais aujourd'hui, en raison du combat que je mène pour justement la libération de mon peuple, je ne peux plus retourner au Cameroun et je n'y suis plus retournée depuis 2018. Tout le monde le sait. Maintenant, en ce qui concerne les lions indomptables, vous pouvez bien imaginer, hein, tous ceux qui me suivent, par rapport à cette victoire. tous ceux qui me suivent et qui sont connectés dans ma page, ils ont vu que j'étais en extase, ils ont vu que j'étais frénétique. Beaucoup m'ont même demandé si je dors. Mais oui, j'étais en extase face à cette victoire emphatique et inédite de nos chers lions indomptables, qui ne nous ont plus délectés d'un spectacle aussi magnifique depuis au moins 3-4 ans, hein, ça il faut le dire. Donc non, comme tous ceux qui aiment leur pays profondément, j'étais absolument délectée de cette victoire de nos lions indomptables, surtout dans les conditions qu'on connaît, hein, ça il faut le Ah bah dire. oui. Mais bon, je ne vais pas m'embrayer là-dessus tout de suite. Moi, par contre, je vais rebondir là-dessus parce que là, nous sommes dans le cadre sportif avant d'aborder le cadre politique, l'aspect politique. Hein. Alors, les Lions, certes, ont remporté cette victoire, mais dans un climat assez dilatéral, dans un climat assez morose, dans un climat plein de tensions. Même si, pour le moment, les tensions sont apaisées, mais quand même, il y a eu, ça a été très très chaud hein, entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Très bien, on a assisté à une belle image hier où le ministre en charge des Sports et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, ont fait des accolades, ont discuté, mais est-ce que c'est un faux cas? On n'en sait rien. Alors, vous, personnellement, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je vais dire hein, en relativant les choses, au vu de ce qui précède. Quelle vision avez-vous Alors, du football camerounais? c'était déjà Parce de que, très belles excusez-moi, images je de vais vous. voir ces deux protagonistes assis
tous dans les gradins pour apprécier la prestation de nos chers lions indomptables, mais qu'on ne se voile pas la face, hein, la tempête est tout à fait calmée pour le moment pour l'intérêt supérieur de la nation qui est la victoire des lions indomptables. Cependant, le problème reste entier parce que encore aujourd'hui, nous avons vu les deux staffs, le staff nommé par le MINSEP, c'est-à-dire le ministère des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun, et le staff nommé par la Fédération, qui ont pris le même vol pour aller justement au prochain match des Lions qui va se dérouler à Luanda, en Angola, dans deux jours. Donc, la situation n'est pas encore diffuse. D'ailleurs, encore hier, nous avons vu un communiqué assez menaçant à l'endroit de nos chers et, lions, et adorés lions indomptables venant de la FECAFOOT qui les mettait en garde d'une sanction parce qu'ils sont, ils ont été libérés sans accord de la fédération. Donc, voilà, nous vivons une situation inédite dans l'histoire de notre football où nous avons en effet deux staffs qui accompagnent nos lions indomptables. Je ne sais pas si ça s'est vu ailleurs dans le monde, mais le Cameroun est une curiosité mondiale. En fait, si on ne vous a pas encore expliqué le Cameroun, une personne qui dit qu'elle a compris le Cameroun, c'est que la personne n'a encore rien compris en fait. Non, non, c'est qu'on ne lui a pas bien expliqué. On n'a pas bien expliqué, parce que chez nous, là, c'est grave. C'est très, très grave. Qu'à cela ne tienne, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Samuel Eto'o peut rester à la tête de la FECAFOOT, parce qu'on a quand même eu droit à un résultat positif. Est-ce que, pour le moment, vous donnez raison, effectivement, au maintien de Samuel Eto'o à la tête de cette fédération? Alors, M. Samuel Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football et ça, ce sera jusqu'en décembre 2025, c'est son mandat. Cependant, il pourrait arriver qu'il soit démis ou alors que la FECAFOOT soit dissoute, qu'il y ait un comité de normalisation. Cela va dépendre non seulement des résultats des Lions indomptables, mais aussi du comportement de toutes les personnes qui entourent justement cette équipe. Il y en a qui sont même allés jusqu'à sur le site de la FIFA pour suggérer que le Cameroun soit suspendu. Il y en a qui sont allés écrire au Cap-Vert pour demander à ce que le Cap-Vert gagne le Cameroun par forfait parce que le Cameroun a en effet deux staffs. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer en Angola, mais une chose est sûre, c'est que si ces problèmes perdurent et que cela commence à constituer un problème national, alors il va falloir que la situation de la FECAFOOT soit revue et que soit l'État, soit la FIFA prennent leurs responsabilités pour stabiliser la situation sportive au Cameroun, surtout lorsqu'on sait que l'année prochaine, les élections présidentielles arrivent et que le peuple camerounais est très attaché aux résultats de son équipe Fanion, surtout lorsqu'on sait tous les problèmes qui ont été créés, entretenus, maintenus par la FECAFOOT, avec la FECAFOOT, sur les joueurs, dans l'équipe, mais surtout autour de notre football. Je vois très, très mal M. Samuel Eto'o survivre cet état des choses en l'état actuel. Cependant, nous lui accordons le bénéfice du doute et nous savons que c'est une grande personnalité qui saura peut-être à un moment donné mettre l'intérêt de la nation d'abord, s'asseoir à la table et trouver une solution idoine pour notre équipe nationale. Merci beaucoup pour cette intervention et avant que de clore ce débat, avant que de boucler cette page, je voudrais vous laissez adresser un message particulier à l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, parce que les prochaines heures seront décisives, les prochains jours seront déterminants. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces Lions Indomptables, y compris les dirigeants et le staff technique? Alors, merci Michel, parce que c'est là, en effet, la partie la plus importante. Au-delà des troubles et des tensions qu'il y a, et d'ailleurs, je suis très bien au milieu de tout cela, tout le monde sait quelle est ma position là-dessus. Je vais pas revenir sur le pourquoi du comment, parce que tout le monde connaît
tout ce qui s'est passé et qui nous a mené à la situation actuelle. Le message le plus important, et je pense que je l'avais déjà fait dans ma page, mais je vais le réitérer, puisque nous savons que votre page est assez suivie en tant que journaliste. Je vais d'abord m'adresser aux lions indomptables. Ils sont là. Et je l'ai fait au départ en parlant, en m'adressant à mon fils, comme j'aime bien l'appeler, André Onana. Nous avons demandé aux lions indomptables de prendre leurs responsabilités. Nous avons demandé aux lions indomptables de faire entendre leur voix. Et ils l'ont fait de la plus belle des manières, c'est-à-dire sur le terrain. Les lions indomptables ont décidé de faire abstraction de tout le désordre, de tout le brouhaha qui les entoure. Ils ont décidé dans quelles conditions ils allaient s'entraîner, mais surtout jouer. Et je les félicite énormément pour cette maturité dont ils ont fait preuve en tant que professionnels du football. Ces garçons jouent dans les clubs les plus grands dans le monde entier. En Angleterre, où je suis actuellement, il y a au moins 3 ou 4 qui jouent dans la première ligue anglaise qui sont dans l'équipe nationale. C'est des garçons qui sont habitués à la haute compétition. Ils ont le talent, l'expérience pour cela. Et nous leur disons merci parce qu'ils ont fait plaisir à ce peuple qui n'a plus rien d'autre que le football pour continuer à entretenir cette illusion de bien-être. Aux dirigeants du football, de couper cette partie des coupeurs de vidéos, de ceux de la FECAFOOT, je vais leur adresser ceci. Chers messieurs, vous avez en majorité été tous des footballeurs professionnels. Vous savez ce que c'est que l'attachement au drapeau national. Drapeau national que normalement j'aurais en de pareilles circonstances, parce que tout le monde connaît l'amour profond que j'ai pour mon pays. Chers anciens lions indomptables, dirigeants du football camerounais, à votre temps, vous avez connu les turpitudes dans notre équipe. À votre temps, vous avez connu les problèmes, la normalisation de la fédération. On se serait attendu à ce que vous évitiez cela à cette jeune génération, ô combien talentueuse. Je vous prie, chers compatriotes, mettez un peu d'eau dans votre vin et donner une chance à ces garçons. Lorsque vous avez un garçon comme Mike Ngandou qui a perdu une CAN et une Coupe du Monde alors qu'il avait les arguments techniques, tactiques, expérimentales pour aller ramener quelque chose, un résultat positif à notre équipe, nous nous disons c'est injuste. Et si vous continuez cela, vous allez priver ces mêmes garçons d'une autre Coupe du Monde et d'une autre Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est normal, vous qui avez joué toutes ces compétitions, de priver à toute une génération des compétitions où effectivement ils vont aller faire un showcase, une démonstration de leur talent? Parce que la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, c'est aussi l'opportunité pour ces joueurs de démontrer au monde entier ce qu'ils ont dans le ventre. C'est d'ailleurs lors de ces compétitions que les scouts et les prospecteurs internationaux viennent recruter les nouveaux talents. Vous avez eu cette opportunité. Pourquoi est-ce que vous voulez l'enlever à ces jeunes? Est-ce que vous avez pensé à ce peuple camerounais qui n'a ni d'eau, ni d'électricité, ni de route, ni d'hôpitaux, qui n'a rien, qui n'arrive même plus à manger à cause de la vie chère et dont le seul sourire reste les lions indomptables du Cameroun? Est-ce que vous aimez ce peuple? Mettez de l'eau dans votre vin et mettez l'intérêt national d'abord, la patrie d'abord. Maintenant, aux dirigeants du Cameroun et dont le MINSEP, le ministère des Sports, qui est à couteau tiré avec la FECAFOOT. Triste, je vais dire ceci. C'est vraiment triste. Hein. Allez-y, madame Sonny de Vos. Messieurs du ministère, vous avez reçu les hautes instructions de votre chef
c'est-à-dire le président de facto, M. Paul Biya, d'agir afin d'améliorer les résultats de notre football. Nous savons l'intérêt politique que le football a aujourd'hui dans le schéma tactique de M. Paul Biya et de tout son gouvernement. Messieurs les dirigeants, autant vous êtes en train d'agir au nom du gouvernement et du chef de l'État de facto qui vous a commandé, autant vous devez, pour une fois aussi, mettre de l'eau dans votre vin afin de retrouver les dirigeants de l'AFECAFOOT au milieu pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous comptons sur vous pour que, si cette situation n'est pas résolue, que des mesures fermes et fortes soient prises. Ne soyez pas ceux-là qui démontrent seulement votre force sur les opposants du régime. Ne soyez pas ceux-là qui sont promptes à agir et réagir lorsqu'il s'agit de l'opposition. Montrez-nous aussi que lorsqu'il s'agit d'une dispute intestine et interne au RDPC, parce que ça, il ne faut pas se tromper là-dessus, tous les dirigeants de l'AFECAFOOT appartiennent au RDPC et son pro-régime. Donc, c'est une dispute entre les frères d'un même père, comme ils aiment s'appeler entre eux. Et donc, si vous êtes les frères d'un même père, dans une famille, lorsqu'il y a dispute, le père assoit ses enfants et résout ce problème. Nous attendons de vous donc que ce problème soit résolu, parce que sinon, c'est le chaos que vous allez créer dans notre cher et beau pays. Voilà le message essentiel que j'ai à passer ce soir à ces différents dirigeants de notre football et à tous ceux-là qui viennent nous dire que nous, opposants, n'avons pas le droit de mettre notre bouche dedans parce qu'ils iront voter M. Paul Biya en 2025. Je n'ai pas entendu de vos sons. Sans parler du général Sandy Boston, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et à l'instant, nous étions dans le cadre sportif, hein, vous êtes sans ignorer que les Lions Indomptables ont remporté cette victoire face au Cap-Vert dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, dans quelques jours, cette phase va être très décisive, d'où aujourd'hui j'ai demandé au général qui est également une compatriote camerounaise, qui est également qui est un porte-étendard, celle-là qui a une voix qui porte, qui a le droit de dire ce qu'elle pense, ce soir a le droit effectivement de faire passer ce message poignant, parce qu'il faut dire que le sport, c'est un facteur clé qui réunit tous les ports politiques. Même si vous êtes en porte-à-faux, le sport donne le sourire. Le sport apaise les tensions. D'où ce message poignant de général Sandy Boston. Maintenant, nous allons aborder la partie tant attendue. Mais avant, je vais demander à notre jeune sœur africaine, Glams, de se préparer parce que ça va aller très vite. Nous allons maintenant rentrer dans la zone de turbulence et au bout de 30 minutes, on va laisser le général souffler et derrière, on aura la partie publicitaire. Donc, Madame Glams, commencez à vous apprêter parce que je vais vous faire rentrer dans le direct dans à peu près 30 minutes. Madame Sandy de Boston, top, c'est parti. Qu'est-ce qui explique votre engagement dont le combat politique aujourd'hui, étant donné effectivement que vous êtes avant tout une mère, qu'est-ce qui vous a emmené? C'est quoi ce déclic qui vous mène dans le combat aujourd'hui? Alors, il faut bien savoir que je ne suis pas tombée dans le combat comme un cheveu dans la soupe, hein, ça il faut le dire. J'ai grandi dans une famille où mon papa était fortement ancré dans ses convictions anti-Biya. Mon père, effectivement, était un militant du Social Democratic Front, qui était le premier parti d'opposition au Cameroun. Mm-hmm. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement-là, dans cette ambiance où mon père nous
vous apprenez à voir et déceler les failles du gouvernement en place. Et ensuite, en tant que petit Bamileke, j'ai été victime de tribalisme dans mon pays, notamment tribalisme aussi, hein, et ça c'est assez regrettable, tribalisme au sein de ma famille maternelle, dont le grand frère à ma mère était ministre dans ce gouvernement. Et ensuite, en tant qu'étudiante au Cameroun, j'ai vécu tout ce que les jeunes Camerounais vivent, c'est-à-dire surtout ceux de Douala, hein, ça, enfin ceux des quartiers et des familles pauvres, c'est-à-dire la misère, l'incapacité à accéder au concours d'État, justement parce que les concours d'État dans les grandes écoles au Cameroun s'obtiennent soit par pistonnage, soit par monnayage. Donc, j'ai vécu tout ça et lorsque j'arrive en Europe, évidemment, je me consacre à ma famille, à mon travail, sauf qu'en 2018, il y a les élections présidentielles au Cameroun. Les élections présidentielles qui ont été fortement médiatisées, hein, ça il faut le dire, nous avons vu la campagne du président Kamto qui s'assimilait à une campagne à l'américaine. Il a fait le tour du Cameroun avec sa caravane et accompagné de son épouse, où il galvanisait les troupes, où il levait les poules. Évidemment, nous avons vu l'engouement des Camerounais pour le changement à travers Maurice Kamto. Et ensuite, nous avons ce contest au Conseil constitutionnel, justement pour le décompte, où le président Kamto avait protesté contre le résultat des élections. Et à Mondovision, et ça, personne ne peut en discuter, à Mondovision, devant les caméras même de la Cameroun Radio Television, la chaîne nationale de télévision au Cameroun, nous avons sécurisé le direct, envoyez les cœurs, parce que nous rentrons dans une zone de turbulence, sécurisez le direct. Vous connaissez le franc parler du général Boston, donc s'il vous plaît, sécurisez le direct. Mon équipe de community management, sécurisez. Merci. Nous avons suivi en direct dans ce contexte au Conseil constitutionnel qui avait cristallisé les attentions au Cameroun. Les Camerounais, même jusqu'aux benskineurs, c'est-à-dire les chauffeurs de moto-taxi, les vendeuses dans les marchés, s'agglutinaient devant les postes de télévision pour regarder le contexte au Conseil constitutionnel où le président Kamto était allé présenter son recours pour protester contre le résultat officiel présenté par ELECAM, qui est l'organe des élections au Cameroun. Alors, en Mondovision, donc, et devant même les chaînes de télévision de la télévision nationale camerounaise qui est contrôlée par l'État, nous avons vu à la stupeur et à la clameur internationale 32 PV qui ont été détournés. Au sortir du vote, dans les bureaux de vote, les PV doivent être émargés par toutes les parties et ensuite émargés par ELECAM, émargés par les dirigeants du bureau de vote. Et c'est ainsi qu'on sait qu'ils sont authentiques. Mais dans ce contexte, nous avons vu ELECAM qui a présenté 32 PV non émargés qui donnaient la victoire à M. Biya. Et c'est là où j'ai été ultimement indignée. En fait, c'est ça qui a créé le déclic. C'est ça qui a créé donc ce déclic. Et les 32 PV émargés étaient en la possession du... il avait une photocopie, hein, parce qu'il faut photocopier et remettre les copies à chaque partie, du professeur Alain Foguet qui est aujourd'hui en prison pour avoir osé réclamer la fin de la guerre au Nozo. Et donc, le professeur Alain Foguet a appelé à témoins tout le monde et leur demandé de venir regarder ces PV. Et il y a eu une clameur dans la salle. Tout le monde a crié. Le gouvernement était dépassé. Et les Camerounais ont vécu en direct le vol des élections présidentielles. Donc, et c'est donc là. Vous soutenez, vous nous dites ce soir et vous maintenez qu'il y a eu un hold-up électoral. Il y a eu un hold-up électoral. S'il n'y avait pas de hold-up électoral, l'opposition et donc le président Maurice Kamto a appelé au recomptage des votes. Ce à quoi le gouvernement de M. Paul Biya n'a jamais agréé. Et donc, nous sommes, et pas moi seul, hein, ça nous a profondément indignés et nous avons décidé que nous allons nous battre pour rétablir la vérité des urnes dans notre pays. Ça nous a pris 7 ans et nous n'avons pas
lâcher ce combat et nous sommes sûrs qu'en 2025, la vérité des urnes va prévaloir dans notre cher et beau pays. Au vu de l'engouement actuel aux inscriptions sur les listes électorales, au vu du désir du peuple camerounais d'aspirer à quelque chose de meilleur, au vu de ce que, grâce à une bourde d'une ministre du gouvernement, à savoir Mme Kétia Koutaise, qui de façon très insolente et méprisante avait demandé aux populations, il y avait quoi avant, lorsque ces populations se plaignaient de l'état des routes, elle leur a demandé, il y avait quoi avant, eh bien, nous nous sommes fait le devoir de rappeler à tous les Camerounais ce qu'il y avait avant. Et croyez-moi, Michel, si on s'imagine qu'au Cameroun, et d'ailleurs comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les pays d'Afrique noire, la population est en majorité jeune. Nous avons une population où on a à peu près 75 à 80% des gens qui ont moins de 30 ans. Ça veut dire que tous ces gens sont nés sous l'ère de M. Paul Biya. Tous ces gens n'ont vécu que l'ère de Paul Biya. Pour eux, l'état des routes, l'état des hôpitaux, la brimade gouvernementale, les abus gouvernementaux, tout ça est normal parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Ils n'ont pas connu un Cameroun prospère. Ils n'ont pas connu un Cameroun où il n'y avait pas de chômage. Le Cameroun était un pays à revenus moyens en 1982, lorsque Paul Biya prend le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes un pays pauvre et très endetté. Donc, ces jeunes-là n'ont connu que cela et ne savent pas que le Cameroun, un jour, avait été riche. Surtout que dans l'éducation, au Cameroun aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on évite soigneusement d'apprendre aux jeunes Camerounais l'histoire de leur pays. On évite soigneusement de leur apprendre la fierté qu'était le Cameroun en Afrique. Je rappelle que le Cameroun avait lancé sa propre compagnie aérienne, qui était la première compagnie aérienne en Afrique, Cameroun Airlines, lorsque nous avons quitté Air Afrique avec le président Ahidjo. Et donc, nous nous sommes fait le plaisir de rappeler à cette jeune génération que nous avions un pays où il y avait de l'industrie, où il y avait de l'aviation, où il y avait des bateaux, où il y avait tout, où on avait justement l'autosuffisance alimentaire, où nous aidions l'Éthiopie qui traversait une famine dans les années 80, où nous aidions la Chine, qui aujourd'hui est une puissance mondiale. Le Cameroun, est-ce que vous vous rendez compte, envoyait de l'aide à la Chine. Aujourd'hui, le Gabon, dont tu es ressortissante et dont je salue d'ailleurs tous mes frères et sœurs du Gabon, nous avons une combattante gabonaise qui a battu les pavés avec nous et je lui rends d'ailleurs hommage, la générale Bara, tout à fait, qui a été une source d'inspiration pour toutes les Amazones camerounaises. Je lui rends hommage. Mais on sait tous que dans les années 80, avant qu'on ne découvre l'immense pétrole au Gabon, le Cameroun était le panier nutritif de l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vous avez dans les marchés à Libreville beaucoup de commerçants camerounais qui viennent écouler de leurs marchandises. Donc, partir de là à se retrouver dans un pays hyper pauvre où les gens fuient en masse. Vont en Guinée équatoriale où ils sont chassés comme des moutons. Vont au Gabon, vont au Congo. Les Camerounais sont prêts à tomber même dans la mer pour échapper à la misère. Alors nous avons rappelé à ces gens qu'attention, ce pays était riche. Et lorsque nous l'avons fait, tout le monde a commencé à demander le départ de M. Biya. Parce que tout le monde sait que le Cameroun est un pays immensément riche. Que ce soit la richesse minière, pétrolière. À dire ce soir, vous savez, justement, allant dans ce sens, hein, je vais vous dire que au jour d'aujourd'hui, vous comptez actuellement parmi les redoutables combattants du régime biaïste et qu'il faut notifier ici que face, vous êtes en fait redoutable, vous êtes, on peut compter hein, ce que vous avez fait, vos armes sont légion, de Londres à Genève en passant par Bruxelles. Alors, réellement, dites-nous réellement, parce que ça ressemble à un acharnement. D'aucuns m'ont dit, Madame Fondy de Boston, qu'est-ce que vous avez contre le gouvernement? Vous avez commencé effectivement à notifier quelques manquements, mais ici, de manière solennelle, parce que je vous rappelle, les autorités camerounaises sont dans ce direct, il y a des sympathisants, il y a des compatriotes camerounais qui sont là. Tout le monde est ici présent, vous êtes devant l'Afrique. Il n'y a pas seulement la communauté camerounaise qui est là, mais l'Afrique tout entière qui vous écoute. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au gouvernement
en place, au parti au pouvoir. Alors, j'ai commencé là-dessus et je vais continuer. Merci, Michel. Poursuivre. Justement, on va poursuivre. Alors, vous avez un régime qui est en place depuis 42 ans, quand même. 42 ans. Ce régime ne nous dira pas qu'en 42 ans, ils n'ont pas eu les moyens de développer le Cameroun. Le Cameroun n'est pas quand même une monarchie, à ce que je sache. Nous avons 42 ans et ils appellent encore à la prolongation du mandat de M. Paul Biya, sauf que l'horloge biologique, malheureusement, est en train de le rattraper. Et donc, vous avez, si on enlève la figure de M. Paul Biya, c'est tout un appareil, hein, c'est tout un régime, tout un parti État qui s'est accaparé de tous les appareils de direction d'un pays. Que ce soit la police, la gendarmerie, que ce soit la diplomatie, que ce soit la santé, je dis, ils se sont accaparés de tout. Et en 42 ans, nous partons donc d'un pays à revenu moyen, direct, à pays pauvre et très endetté. Bonsoir, secteur de Pharaon, partagé, merci. En 42 ans, nous n'avons aucun point de développement de notre pays. Il n'y a dans aucun secteur quelque chose qui pourrait être vous allez m'excuser, hein, je réfléchis en anglais, mais je m'exprime en français. Dans le leg, dans l'héritage de M. Biya, que ce soit sur le plan de la santé, on n'a pas d'infrastructure sanitaire digne de ce nom au Cameroun. Raison pour laquelle les dignitaires du Cameroun viennent se soigner en Europe en évacuation sanitaire. Que ce soit sur le plan des routes, nous avons l'autoroute Douala-Yaoundé qui est en construction depuis 15 ans. Et ils n'ont achevé que 10 km en 15 ans et qui a déjà absorbé plus de 3 fois le budget prévu. Que ce soit sur le plan sportif, on n'a rien, aucune infrastructure sportive, aucune infrastructure culturelle. On n'a pas de salle de cinéma au Cameroun. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Le Cameroun est un pays où il n'y a pas de salle de cinéma. On n'a pas de salle de spectacle en dehors du palais des sports qui venait de construire. Il n'y a rien au Cameroun. Le taux de chômage est à son paroxysme. Et à côté de nous, nous voyons des pays qui étaient plus pauvres que le Cameroun et qui sont en train d'émerger. Je vous les ai cités. La Guinée équatoriale, malgré son dictateur à sa tête. Le Gabon, malgré toutes les années de M. Bongo à la tête du Gabon, le Gabon a connu un essor. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute parce que les Camerounais vont aujourd'hui chercher un avenir économique au Gabon. Vous avez la Côte d'Ivoire qui était presque au même niveau que nous, mais aujourd'hui, en termes d'infrastructure, nous, le Cameroun ne peut même pas. D'ailleurs, vous avez vu lors de la CAN comment les influenceurs camerounais allaient se filmer sur le pont d'Abidjan, ainsi de suite. Nous avons un pays qui a effectivement régressé en 42 ans. Nous avons un pays où la jeunesse n'a pas de perspective. Nous avons un pays où la violence est accrue. Nous avons un pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Nous avons un pays où 8000 femmes meurent chaque année en essayant d'accoucher, de donner naissance. Nous avons un pays où 2000 personnes meurent chaque année sur les routes. Bon sang, comment est-ce qu'on ne va pas à un moment se lever, surtout lorsqu'on sort du Cameroun et qu'on se rend compte qu'ailleurs, tout est beau, tout est bien, tout est propre, tout est organisé. Pourquoi est-ce que le Cameroun, avec tout ce qu'il a comme richesse, je vous rappelle qu'au Cameroun, nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons de la bauxite, nous avons du fer, nous avons du pétrole, nous avons du gaz. Nous avons toutes ces richesses-là. Et le peuple croupit dans une misère indescriptible. Si vous n'êtes pas mué par un sentiment de compassion envers ce peuple, vous ne pouvez pas sacrifier votre vie pour qu'il vive dans de conditions meilleures. C'est ce sentiment qui m'anime, pas moi seul, mais tous mes compagnons de lutte avec lesquels nous battons le pavé depuis 7 ans. Et nous sommes convaincus que nous arrivons à la fin de notre combat. Nous arrivons à l'ultime achèvement de notre combat en 2025 parce que nous savons que ce peuple va prendre ses responsabilités. Nous savons que M. Biya n'est plus en mesure, d'ailleurs ça se voit dans le cadre de la FECAFOOT, M. Biya ne dirige plus le Cameroun. Il a légué
le pouvoir à son secrétaire général au travers des hautes instructions, à travers une délégation permanente de signature. C'est-à-dire qu'en effet, il a donné le droit à M. Ngongo, qui est son secrétaire général, de décider en ses lieux et places. Et à côté, nous avons le cabinet civil qui aujourd'hui aussi commence à produire des hautes instructions sans que cela ne suscite une réaction de celui qui est censé être réclamer la paternité de ces hautes instructions. Tout le monde sait que M. Paul Biya, à 92 ans, n'a plus les capacités intellectuelles, physiques, morales, pour diriger un pays de 30 millions d'habitants, aussi divers, aussi riche, aussi cultivé que le Cameroun. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons tous ce désordre. Vous êtes l'une des fondatrices du mouvement Bobita Nap. Alors, quel rôle joue ce mouvement dont vous, vous êtes fondatrice? Merci, merci, merci pour cette question. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à toutes les Amazones, toutes les guerrières Bobita Nap. Qu'est-ce que le Bobita Nap? Les Bobita Nap, c'est des femmes guerrières, c'est des femmes de terrain, c'est des lionnes, des combattants qui ont décidé d'aller sur le terrain et de manifester leur indignation pour amener, alerter l'opinion nationale et internationale sur les exactions que fait le gouvernement camerounais sur son propre peuple. Et cela est né au suite de l'égorgement d'une femme au Nozo qu'on appelait Florence Ayafor. C'était un événement assez macabre et assez triste qui a montré au monde entier la barbarie dans laquelle le Cameroun est plongé en ce moment, dans cette sale guerre au nord-ouest et sud-ouest Cameroun, où l'armée camerounaise est en effet en train de tirer sur ses propres citoyens. Et donc, il y avait une série où les femmes, en rétribution de cette guerre, se faisaient égorger en plein jour au Cameroun. Alors nous, les femmes de la diaspora, nous les combattants, nous avons décidé que non, vous n'allez plus égorger les femmes dans votre sale guerre. Nous avons décidé d'aller manifester, protester avec nos seins nus à l'Union européenne à Bruxelles. Et ceci était fait évidemment non seulement par inspiration sur les Femen, qui sont les activistes russes qui manifestent nus, hein, ça il faut le dire, complètement nus, lorsqu'il y a des grands sommets européens. Mais aussi dans l'histoire du Cameroun, nous avons des femmes qu'on avait appelées les Takumben. Ouais, parce que c'est une particularité. Hein. Tout à fait. Les Takumben, c'était des mamans. Hein. C'était, elles n'étaient même pas de moyen âge, comme de jeune âge comme nous. C'était des mamans, des femmes mûres qui avaient décidé de protester nues pour protéger le leader de l'opposition, Ni John Frundi, dans les années 90. Alors, nous sommes dans les années 90. Ni John Frundi est un violent opposant au régime. Et le régime, évidemment, veut utiliser l'armée pour l'arrêter et le jeter en prison. Et lorsque les chars de l'armée arrivent, les mamans de Bamenda se sont déshabillées. Et elles ont encerclé la maison du chairman. Elles ont dit, vous allez nous tuer avant de l'atteindre. Et donc, nous nous sommes inspirés de ces mamans-là. Il faut aussi savoir que la nudité dans notre culture africaine, c'est quelque chose de très fort. La nudité, elle est très symbolique, surtout la nudité de la femme, elle est sacrée. Lorsque la femme se dénude, ça, en effet, exprime un niveau extrême d'indignation. Chez nous, on appelle la nudité de la femme la malédiction. Il est d'ailleurs interdit dans nos cultures de voir la nudité de la femme. Et donc, lorsque nous avons décidé de le faire, c'était une façon de maudire ce régime qui maudit nos citoyens. C'était une façon d'exprimer notre rage, notre indignation suprême contre ce régime qui égorge des femmes. Et nous l'avons fait et cela a suscité beaucoup de discussions, que ce soit au niveau national et international. Et donc, je veux dire que le groupe Bobita Nap a en effet atteint ses objectifs qui étaient d'attirer l'attention du monde sur la guerre qui se passe au Nozo. Et nous avons vu de braves femmes émuler notre mouvement au Cameroun lorsque justement le président Kamto était pris en résidence surveillée dans son propre domicile. Des braves femmes, des braves mamans se sont dénudées et ont empêché à la branche armée de Paul Biya de venir réprimer par la force cet homme qu'ils avaient déjà embastillé et dont ils empêchaient d'avoir des visites, de la nourriture et des médicaments.
Donc, si je comprends bien, ce mouvement Bobitana a pour but de dénoncer, je veux dire que ce sont des femmes qui dénoncent des problèmes politiques et sociaux, en quelque sorte, en fait. Tout à fait. C'est des femmes qui expriment leur indignation en exposant leur nudité pour attirer l'attention des autorités de l'opinion publique nationale et internationale sur les causes qu'elles défendent. Et elles le font très bien. Très bien. Alors, je vais demander à Madame Glam de faire son entrée parce qu'on va laisser, on va bientôt laisser le général Sandy Boston de souffler avant d'aborder la deuxième phase, la deuxième partie de cette émission qui va être tumultueuse parce que là, ça va toucher la basse et ses membres. Alors, je demande à Madame Glam de m'envoyer une demande d'amis ou d'ouvrir sa caméra pour qu'elle fasse son entrée dans l'émission. Pendant que je vais chercher cette dernière, j'espère qu'elle a ouvert sa caméra, on va poser cette question au général pour lui permettre de souffler. Général, d'après quelques indiscrétions, vous êtes identifié comme la troisième personne la plus influente de la galaxie de l'ancien ministre de la Défense. J'ai cité Edgar Alain Mbemongo. Et comme étant une Amazone terroriste, alors la question que je voudrais vous poser est celle de savoir, celle qui me vient à l'esprit, quelle est votre approche? Je vais dire, pourquoi on vous identifie à cet ancien ministre? Quels sont vos rapports? Quelle est votre approche? Parlez-nous un peu de vos rapports avec ce dernier. Merci pour cette question. C'est une question que beaucoup essayent de manipuler. Moi, je demande Madame Glam, excusez-moi. Allez-y, suivez votre propos. C'est une question que beaucoup essaient de manipuler et d'instrumentaliser justement pour dire que je suis une infiltrée, qu'il aurait envoyé en Europe pour me battre pour lui. Mais j'en ris encore, mais j'en ris parce que ça fait 7 ans que... Oui, Madame Glam, oui. Ça fait 7 ans que j'entends cela. Mais non, alors, je vais clarifier les choses là-dessus. Voilà, de manière définitive. Voilà. Monsieur Edgar Alain Mbengo est effectivement de ma famille. C'est le chef de famille de ma mère, ma défunte maman. Monsieur Edgar Alain Mbengo est effectivement du même père Ngorjan que ma mère. Alors, Ngorjan était mon arrière-grand-père, hein, mon grand-père, il était député de la nation sous Aïdjo, sous l'ancien président du Cameroun. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous faire perdre le fil d'idées, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je voudrais juste dire à Madame Glam que ça me met échec. Voilà, si vous pouvez renvoyer la demande d'amis, ou moi je vais vous la renvoyer parce que sortez du direct et vous revenez et vous me réécrivez s'il vous plaît. Excusez-moi, madame, excusez-moi général, vous pouvez poursuivre. Je vous en prie. Alors, oui, effectivement, c'est moi d'ailleurs qui révèle cela lorsque j'entre dans le combat parce que je ne veux pas que pendant que je suis en train de combattre, mes camarades découvrent que j'ai des liens de parenté avec quelqu'un qui était très puissant au Cameroun. Et qui appartient effectivement au régime. Alors, je déclare cela pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et donc, Monsieur Edgar Alain Mbengo, qui a été ministre sous Paul Biya, a effectivement mené le plus clair de sa carrière. Hein. Il a été à Garoua pour commencer, ensuite à Kribi pour tous qui connaissent son parcours, et enfin à Yaoundé, où il était directeur du cabinet civil, sous-préfet du Foudi d'ailleurs, ensuite directeur du cabinet civil, et on connaît le reste de son parcours. Alors, il est effectivement de ma famille maternelle. Et envoyez la demande d'amis. Oui, allez-y. Et voilà, moi j'ai grandi à Douala avec mes parents qui étaient très pauvres. OK. Mais de temps en temps, pendant les vacances, il m'arrivait de passer des vacances chez lui. Et donc, à ce titre, j'ai vécu beaucoup de choses qui ont forgé aujourd'hui cette envie de combattre le régime. Monsieur Mbengo, je n'ai plus de contact avec lui. La dernière fois que je l'ai vu de visu, c'était en 2018 lors de l'enterrement de ma grand-mère. Nous sommes en
en août 2018. D'accord. Et il était déjà sous le coup de l'arrestation et des investigations du gouvernement camerounais. Et donc, c'est la dernière fois que je le vois personnellement. Et je ne lui ai plus jamais parlé, ni écrit. D'ailleurs, je ne sais pas son contact, hein, ça il faut le dire. Si j'avais son contact et si je lui avais écrit, croyez-moi, ce régime aurait déjà tout fait pour me sortir du combat en prouvant que j'ai des liens avec cette personne. La famille restant la famille, c'est mon oncle, je ne vais jamais... Félicitations, Madame Glam. Oui. Mm-hmm. Donc, vous êtes seule. Bonsoir tout le monde. Oui, on va laisser. Bonsoir, on va laisser le gendarme terminer son propos. D'accord. Bonsoir, très charmante, je dirais, belle dame, Madame Glam. Tout à l'heure, hein, vous allez vous présenter et nous parler de vous et de ce que vous savez faire. Voilà, merci. On va laisser le général finir son propos et on va laisser cette dernière souffler, d'accord, et on va vous laisser la parole. Continuez, général. Alors, en effet, j'ai plus de contact avec mon oncle et vu que je suis entrée dans le combat justement pour faire tomber le régime qui l'a servi, vous imaginez très bien que les tensions familiales sont à leur paroxysme. Je reçois des menaces, mes frères et sœurs sont menacés, on m'a exclu complètement de la famille. Wow. Oui, à ce point, je suis complètement exclu de ma famille maternelle, je veux dire. Et j'ai des menaces de mort qui pèsent sur moi. Si j'arrive au Cameroun, ils seront les premiers à me livrer au gouvernement. Wow. Que ce soit lui, que ce soit ses enfants ou son épouse, sont violemment opposés à mon action aujourd'hui et s'en plaignent d'ailleurs chaque fois que je parle d'eux. N'en demeure moins que je dénonce ce que j'ai vécu, je dénonce ce que j'ai vu et ils savent très bien que je n'ai même pas encore parlé de la moitié de ce que j'ai vu et vécu. Ces gens ont abusé le peuple camerounais. Ils se sont enrichis d'une façon ostentatoire et même un peu insolente. Ces gens ont piétiné notre peuple. Ces gens ont abusé de notre bas peuple. Et quand je dis bas peuple, je dis moi, je dis mes parents qui étaient pauvres. Et alors aujourd'hui, l'heure est venue de remettre les pendules à l'heure et de dire c'est le peuple qui a le pouvoir. Merci, général Sandy Boston. Pour ceux qui viennent de se connecter sur ma page officielle, je vous annonce que ce soir, nous recevons en exclusivité cet invité spécial, charismatique. Un invité de taille. Cette dame qui, ma foi, fait peur, je ne sais pas pourquoi, elle fait trembler la partie adverse, mais que j'ai contactée pour venir s'exprimer ici ce soir. Par rapport, effectivement, à plusieurs enjeux qui pointent à l'horizon. Ce soir, je lui laisse le soin de s'exprimer à cœur ouvert. Oui, parce qu'elle a un mot à dire, elle est camerounaise, elle est dans le combat, un combat qui, ma foi, a fait parler de lui depuis, je vais dire, 2016. Nous y reviendrons. Ce soir, nous recevons le général Sandy Boston. Mais comme vous savez, la page Michcom Event, c'est une page qui aborde toutes les questions, que ce soit d'ordre sportif autant pour moi, culturel, politique. J'ai décidé de donner aussi la chance à une sœur camerounaise, une compatriote, une sœur africaine, de pouvoir profiter de cette audience pour pouvoir vendre ses produits. Je le fais de tout cœur parce que nous devons nous soutenir. Nous sommes du côté de l'Europe. Chacun se bat. Il vaudrait mieux encourager une sœur qui ne vole pas qu'une sœur qui ne fait rien. Alors, général, je vous laisse découvrir cette dame. On va lui donner la parole. Elle va vous présenter. Elle va vous dire ce qu'elle sait faire. Bonsoir, Madame Glam.
Bonsoir, Madame Mitch Comivens. Bonsoir, mon général. Bonsoir à tout le panel. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, merci bien. Je suis Degam Sigori, je fais dans le vestimentaire. Degam Sigori, c'est une jeune dame entrepreneuse qui fait dans le e-commerce, c'est-à-dire achat-vente, je fais dans le vestimentaire. Je suis une entreprise enregistrée sur le territoire belge. Je vis en Belgique, plus précisément dans la ville de Liège. Nous livrons partout. On fait dans quel type de vêtements? Des vêtements bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Donc, chez Degam Sigori, chacun trouve son compte. Les prix sont abordables, à la portée de tout le monde. Tout le monde peut s'en procurer chez Degam Sigori en fonction du budget dont il suggère. D'accord. Bonsoir à tout le monde, une fois de plus, comme je le disais tantôt, merci infiniment de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps, de pouvoir m'exprimer sur votre plateau. Et merci également au général, c'est la première fois que je vous vois comme ça. J'entends parler, je suis pas trop... j'ai pas beaucoup de temps pour regarder, mais j'ai quand même vu quelques combats, et c'est un plaisir de vous voir comme ça, franchement. Merci, Mitch, ouais, Madame Mitch, de m'avoir donné cette opportunité. Voilà, sans plus tarder, comme le temps est imparti, je vous présenter quelques articles de ma boutique. Nous ferons le vêtement bas des gammes, comme je le disais tantôt, moyen des gammes et haut de gamme. On va commencer par les vêtements de soirée. Et robes comme ceci, pour tout type d'événement, pour celle qui désire, c'est la période, hein, comme il fait beau en ce moment, la période de pas mal d'événements. Baissez un peu l'article. Voilà. Très bien. Je ne sais pas. Voilà. Oui. Ça, c'est les vêtements haut de gamme. Nous avons des robes de soirée comme ceci. Franchement, les prix, c'est super abordable. On essaie de miser sur la qualité pour satisfaire la clientèle. Voilà. Voilà. On va continuer vite fait. Et à combien vous les faites? À combien vous les faites? C'est une belle robe, hein? C'est pour les soirées. Je la fais au bout de 165 euros sans frais de livraison. C'est-à-dire vous avez 10 euros en plus pour les frais de livraison. Ça vous retrouve directement à votre domicile. Et c'est quelle taille? Vous avez en quelle taille? Pour l'instant, j'ai jusqu'à la taille 46. J'ai la taille 42, 44, 46 disponible en stock. Très bien. OK. Nous avons également, pour toutes celles qui sont invitées comme les marraines des événements, il y a pas mal de dames qui sont invitées comme les marraines des événements, etc. Si vous voulez être unique à votre jarre. Très bien. OK. Voilà. Il y a des robes comme ceci. C'est quelle taille? Ça, c'est la taille 46. J'ai 44-46 disponibles en stock. D'accord. Des vêtements uniques de chez Unique. Nous avons les vêtements moyens de. Pardon? Elle coûte combien? À quel prix? Celle-là, elle coûte 170 euros, 170 euros. Celle que je viens de passer tantôt, elle coûte 170 euros, c'est-à-dire 170 euros. Nous avons les vêtements à moyen de gamme comme ceci. C'est l'été. On mise un peu sur les couleurs. Voilà. Comme vous pouvez si bien le constater. Ça, c'est la taille 46 également. J'ai 42 à 46 disponibles. Je fais également dans les grandes tailles. Hein. C'est que pour l'instant, je n'ai pas assez de 50 ensemble. Je peux te donner les prix. Hein. Pardon? Le prix. Ah ouais. Celle-ci, je fais à 100 euros. D'accord. Très bien. 100 euros cette fois. OK, encore. Deux derniers articles et puis voilà, on va vous reprendre plus tard. Nous avons également une tenue comme ceci pour des événements. 150 euros. Jusqu'à la taille 48 disponible. OK. Très bien. Et c'est quelle taille? Toutes les tailles disponibles. D'accord. J'aime bien celle-là. Toutes les tailles disponibles. Parce que la taille 46 disponible. Le général dit qu'elle aime bien celle que vous venez de montrer là. Général, merci. Noir et or. C'est très joli. Noir et or. Merci bien, merci. En tout cas, mon général, c'est avec plaisir que je vous découvre. Je pense que je vous ferai un grand cadeau. On vous dit merci. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas de m'encourager, de parler. Je suis des Glam Sigori. Allez-y, faites un tour sur la page. Voilà, c'est la famille qui gagne.
Il n'y a pas de souci, ma grande. Je vous félicite pour votre entrepreneuriat. C'est des exemples comme ça dont on a besoin dans notre communauté, des femmes battantes, des femmes qui se débrouillent pour gagner leur pain. Et avec plaisir, hein, je vous ferai de la pub gratuite dans ma page. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Du général, mais elle n'est pas seulement là pour combattre, mais elle est aussi là pour soutenir, encourager hein, ces sœurs qui se battent, parce que ce n'est pas du tout facile. Ah, vous voyez qu'elle a un cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, je vais vous emballer directement ça et vous envoyer l'adresse après. Ben, je vous balance immédiatement On ne fait pas que dans ça, c'est que le temps est imparti. On fait également dans les sacs à main, les chapeaux, les accessoires, les broches, les ceintures, il y a pas mal de petits trucs, les chaussures également. Donc, on essaie de proposer pas mal de articles, mais comme le temps nous tient à la gorge, il y a pas mal d'imparties. À mon prochain passage en Belgique, je vais faire un tour dans votre boutique. Merci infiniment. Donc, on essaie de miser vraiment sur la qualité de l'article pour satisfaire la clientèle. Voilà. Montrez rapidement un ou deux sacs, rapidement. Voilà. Parce que quand on va prendre l'envol, je ne pense pas vous reprendre. Alors, pour ceux qui sont en train de me regarder, il faut encourager cette sœur africaine hein, qui fait dans le vestimentaire, hein, s'il vous plaît. Essayez de la soutenir comme vous pouvez. C'est du vrai, d'accord. Elles ne vont pas n'importe quoi. Malheureusement, je n'ai pas... Ah, voilà. Excusez-moi, Madame Gamme. Je vous montre un exemple. Moi-même, j'ai mené mes enquêtes, donc je ne peux pas venir vous vendre n'importe quoi. Général, voilà. Ça, j'ai fait venir pour encourager la sœur, d'accord? Parce qu'on dit souvent qu'avant de parler, il faut d'abord montrer l'exemple. Donc, moi-même, j'ai montré l'exemple. J'en ai commandé et j'ai eu. Moi, ce sont. J'ai une dalle pour les faire. Vous voyez que, voilà. Moi, je suis prête pour les faire. C'est du véritable prix, hein, c'est pas. Allez-y. Voilà. De miser sur le cuir. Ça soit des grosses ceintures comme celles que je porte au prix de 30 euros. Que ce soit des petites comme ceci. Et c'est du vrai cuir. J'essaie de miser sur la qualité. Voilà. Nous avons des sacs à main comme ceci. Un cuir, bien évidemment. Oui. On essaie de miser sur le cuir. On peut porter ça autant d'années. Voilà. Voilà. Super. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est de bonnes factures, c'est de bonne qualité. De toutes les façons, cette dame prend très au sérieux son travail et elle est même conseillère. Hein. Elle sait vous dire quand c'est bon ou c'est pas bon. Donc, encourageons nos vivants, soutenons notre sœur. C'est notre manière à nous, notre façon à nous de contribuer effectivement au progrès de son commerce. Voilà. Je peux communiquer le numéro de téléphone, s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas. Je suis basée en Belgique, je réponds au 0032-478-16-2703. Pour toutes celles qui veulent me contacter, c'est le 0032-478-16-2703. Soit sur mon... je perds là. Soit sur mon... pas l'adresse, mais... Attendez, on va faire ceci. Oui, attendez, mon numéro. Madame Glam, redonnez-moi le numéro calmement, on va l'épingler là. Je vais demander à mon administrateur d'épingler ce numéro tout de suite. Donnez-le-moi calmement. C'est le 0032. Oui. 478. 16. 2703. Très bien. Alors, donc, merci encore de votre passage. C'était le temps. S'il vous plaît, accordez-moi deux petites secondes. Il y a des gens qui n'arrivent pas directement à me contacter via mon numéro WhatsApp. Ils peuvent passer via mon Messenger. C'est ce que je vous l'ai dit tantôt. Si vous ne parvenez pas directement à avoir accès à mon WhatsApp, je ne sais pas pourquoi, c'est des clients qui disent « je n'ai pas directement accès ». Vous pouvez m'écrire via mon Messenger. Je vous réponds directement à travers mon Messenger. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Rappelez votre page. C'est des Glam Stick Glory. Je peux vous montrer rapidement ici. Des Glam Stick Glory, comme ça s'écrit, s'il vous plaît. Merci bien. Oui, je vais montrer. Ma page, elle se présente comme ceci, comme ça s'écrit. Je ne sais pas si vous voyez là. Des Glam Stick Glory, c'est moi ça. Glam Stick Glory.
Laissez, laissez, ne bougez pas. Descendez, remontez. Descendez votre tête. Voilà. Oh là là. Non, descendez. Ouais. Descendez un peu votre appareil. Voilà. Ramenez ça vers nous, vers l'écran, s'il vous plaît. Très bien. Stoppez, restez là. Les gens vont faire des captures. Capture. Des glam steel glory. Voilà, capture. Voilà. Oh là là, c'est bon. Ça va, c'est bon. Je vais prendre aussi le merci. Non, c'est moi là en photo. Voilà. J'essaie de parcourir la page. Voilà. Donc, exactement. N'hésitez pas, soit vous m'écrivez via mon WhatsApp, soit mon Messenger. Merci infiniment, merci beaucoup et bonne continuation de l'émission. Merci, mille fois merci. On va se prendre peut-être Merci beaucoup. Je vais vous donner les coordonnées, si le général le permet. Pourquoi puisse envoyer au général son cadeau? Général, je lui donnerai votre, je vais communiquer à la dame votre numéro de téléphone pour que vous puissiez recevoir son cadeau. D'accord, merci. Ça fait grand plaisir, général. Ça fait grand plaisir. Et merci beaucoup, madame Mix Com Event, de m'avoir accordé quelques minutes sur votre plateau. Merci infiniment et bonne émission. Merci, général. Belle soirée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez vous déconnecter de votre côté. Voilà. Merci à tous. Nous revenons après cette pause publicitaire. Hein. C'était pour permettre au général de souffler, de boire un verre d'eau. D'accord? Parce que nous allons maintenant rentrer. On va appuyer là où ça fait mal. Général, c'est reparti. Général, l'on a vu des images qui ont fait très mal, qui ont fait la ronde dans le tour des réseaux sociaux, où, ma foi, vous disiez tantôt, effectivement, que vous êtes en train de dénoncer un certain nombre de choses, mais on a été agréablement surpris de vous voir monter au créneau pour lancer un appel au boycott. Le boycott des artistes. Alors ça, les gens n'ont pas très bien compris ce concept. On a vu ces femmes-là manifester devant le Parlement européen à Bruxelles. Sur les pancartes brandies, on pouvait lire des slogans hostiles au régime de Yaoundé. Mais pourquoi être passé par cette stratégie d'épreuve de force pour vous faire entendre? Est-ce que ce sont les artistes qui, je veux dire, qui sont au cœur ou qui sont l'objet, qui font l'objet, ou alors qui encourage la malgouvernance. Peut-être même, je dirais le terme approprié, je trouverais le terme approprié. Pourquoi avoir combattu ces artistes? Est-ce que ce sont eux qui sont à l'origine de la malgouvernance? Voilà. Merci, Mich. Effectivement, vous touchez là un point très sensible qui a secoué la diaspora camerounaise pendant des mois. Boycott des artistes. Je tiens à rappeler que ce n'est pas Sandy de Boston, une titi personnée, qui décide du boycott des artistes. Je vais rectifier les choses, excusez-moi, je vais rectifier. L'idée du boycott a été donnée par Benjamin Marano Niat. C'est lui l'initiateur, j'espère qu'il est dans ce direct, de cette opération. Benjamin Marano Niat va proposer. Après, vous me direz si c'est exactement ce qui s'est passé, mais moi, j'ai mené mes enquêtes. C'est lui qui émet l'idée et il va donc soumettre cette idée, ma foi, au commissaire Zogo, qui à l'époque était avec vous. Le commissaire Zogo, qui va déléguer, il va déléguer Calibri Calibro, voilà, monsieur Calibri Calibro, pour mener à bien cette action. Mais malheureusement, les choses ont tourné autrement, au point où certaines personnes ont quitté le navire. Nous y reviendrons. Vous pouvez poursuivre votre propos. Ah oui, lorsque vous parlez du boycott des artistes, il y a deux phases dans notre combat qui ont été effectivement marquées par le boycott des artistes. La première phase, qui est celle dont vous parlez là, qui était le début de la basse, la naissance de la basse, effectivement, ce sont les acteurs que vous avez cités qui étaient au devant de la scène et qui menaient de plein pied hein, cette lutte pour
boycotter les artistes. Mm-hmm. L'idée étant que les artistes qui avaient été identifiés étaient ceux qui étaient allés soutenir la campagne de M. Paul Biya. Mm-hmm. Nous sommes là en 2018, novembre 2018, et c'est ainsi que la BAS naît. La BAS naît donc d'un mouvement de contestation et de boycott des artistes camerounais qui est allé soutenir la campagne électorale de M. Paul Biya. La deuxième phase de boycott des artistes, parce que nous avons fait la première phase, la BAS est née, nous avons mené notre combat en menant des marches, en faisant des actions coup de poing, mm-hmm. nous avons pourchassé le dictateur partout en Europe. Maintenant, la deuxième phase de boycott des artistes prend encore. Nous sommes en 2021, si je ne me trompe, en 2021. Mm-hmm. Et là, ce n'est pas Sandy de Boston, une tutti personnée qui décide de ce boycott. C'est tout un groupe, c'est tout le groupe de la BAS qui fait le constat que les artistes n'ont pas pris les leçons du premier boycott de 2018. Ils continuent mm-hmm. de soutenir la dictature. Ils se taisent face à la guerre qui est en train de faire rage au nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Ils ne dénoncent pas les mots qui minent notre peuple. Mm-hmm. Et lorsque nous lançons le deuxième boycott, notre cible n'est pas que les artistes. Nous identifions également les influenceurs qui sont utilisés par le régime pour justement formater la façon de penser et d'agir des jeunes Camerounais. Mmh. Ces jeunes Camerounais-là qui prennent ces influenceurs comme des modèles, des idoles et qui les copient en longueur de journée. Nous identifions également les comédiens et ainsi de suite, toutes ces personnalités célèbres qui utilisent le peuple justement pour avoir de la notoriété, mais qui refusent de se mettre du côté du peuple meurtri. C'est à ce moment que nous décidons, cet état de choses ne peut pas perdurer. Ces artistes ne disent rien sur la guerre qui est en train de se dérouler au Cameroun. Ces artistes continuent à aller chanter au palais des Toudi lorsque il y a des cérémonies officielles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'objet du premier boycott. Alors nous décidons de lancer le deuxième boycott qui est aussi très, très violent par rapport au premier. Et surtout, maintenant que nous nous attaquons aux influenceurs, ça prend de l'ampleur. Ça fait un boom dans la toile. Et tout le monde se demande pourquoi est-ce que nous nous attaquons aux influenceurs? Est-ce que c'est eux qui dirigent au Cameroun? La réponse est très, très simple. Et elle est observable aujourd'hui. Le politique s'est toujours servi du sportif, de l'événementiel pour mettre en avant ses idées. Mm-hmm. En 2018, lorsque la campagne électorale est en train de battre, le gouvernement a utilisé M. Samuel Eto'o pour expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour Paul Biya. Ils auraient pu utiliser un ministre, mais ils ont décidé d'utiliser M. Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine notoriété, parce qu'il était écouté. Mm-hmm. Lorsque le gouvernement veut lancer des campagnes, disons, pour les routes qui tuent, par exemple, ils avaient utilisé un artiste qui a fait une composition. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Effectivement, le message était passé. Mm-hmm. Donc, les artistes, les influenceurs, nous avons vu pendant la CAN, le gouvernement qui a pris les influenceuses pour aller faire la promotion de la CAN. Donc, ils reconnaissent que ces gens influencent justement le comportement, la pensée et la façon d'agir des Camerounais. Donc, nous nous sommes dit, si le gouvernement peut utiliser ces gens pour faire passer ces idées, eh bien, nous allons nous apprendre à ces gens parce que nous ne voulons pas que les idées du gouvernement passent par eux, parce que nous estimons qu'eux aussi peuvent faire passer un autre point de vue, parce que nous estimons que leur voix compte et qu'ils peuvent dénoncer. Et donc, c'est comme ça que nous avons relancé le boycott en 2021 avec les conséquences que vous connaissez. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'engouement sur les inscriptions sur les listes électorales, cet engouement est né lorsque les artistes se sont mêlés à la campagne. Parce que nous avons crié pendant plus d'un an, deux ans, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Les Camerounais ne s'intéressaient pas parce qu'ils se disaient que nous voulons qu'on vote notre candidat ou alors nous, eux, ils ne font pas de la politique. Mais une fois que les artistes, les influenceurs, les comédiens se sont mêlés,
la chose a pris une autre ampleur. Donc, ces gens sont la voix des sans-voix. Dans toutes les sociétés du monde, les artistes sont là pour porter la voix du peuple. Vous avez un monsieur comme Alpha Blondie qui dénonce énormément. Vous avez un monsieur comme Valsero, on va dire qu'il est peut-être un autre, mais dont la voix porte parce qu'il est un artiste. Vous avez une dame comme Caresse Fotso, qui lorsqu'elle prend la parole, elle est respectée, écoutée et adulée. Vous avez un monsieur comme Richard Bonnat. Donc, les artistes ont un rôle à jouer dans la société qui n'est pas que d'abrutir les citoyens, qui n'est pas que de les endormir, de les amener aux choses qui n'ont rien à apporter de positif dans leur avenir et leur devenir. Et c'est par rapport à cela que nous avons décidé de les boycotter. Et vous avez vu, lorsqu'on a commencé à les boycotter, ça a attiré l'attention de tout le monde sur le pourquoi nous les boycottions. Mais madame Boston, c'est quand même assez violent. Ce boycott que vous avez initié a été quand même assez violent parce qu'on a vu des femmes. Moi, je vais même dire qu'il y a eu beaucoup d'infiltrés. Je ne sais pas si le combat se trouve au niveau des femmes qui ont été frappées. Il y a des femmes qui ont eu des perruques arrachées. Il y a des femmes qui ont été brutalisées. On a l'image d'une maman, ça a fait le tour du monde, une maman qui pleurait, qui avait été frappée. On a également les tables, les organisateurs de soirées qui ont perdu financièrement. On a vu le général Sandy Boston elle-même à l'œuvre qui renversait les tables, etc. Mais pensez-vous que c'était la bonne stratégie? Quelle image quand même pour votre mouvement? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez du recul, avec beaucoup de recul, est-ce que vous pensez que ça avait lieu d'être? Est-ce que c'est avec la force qu'on peut prendre le pouvoir? Eh bien, Michel, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Oui, le pouvoir s'arrache. Nous ne sommes pas allés dans la rue directement pour boycotter, nous avons prévenu, nous avons eu des conciliabule avec les concernés. Nous avons créé des groupes où on a discuté pendant des mois pour essayer de trouver des solutions. Et vous avez... Parce qu'on ne voulait pas arriver à cette option radicale dès le départ. Nous avons essayé de faire comprendre pourquoi il était important de prendre position pour le peuple. Ils se sont moqués de nous. Nous avons essayé de leur faire comprendre que leur voix compte. Ils se sont moqués de nous. Et même à ce spectacle où j'ai levé des tables, le manager, l'organisateur de la soirée, jusqu'à la dernière minute, nous avait promis que l'influenceuse en question ne serait pas là. Il s'est moqué de nous. Les gens nous ont pris pour une horde de désœuvrés qui créent de la zizanie en Europe. Ils se sont moqués de nous. Ils nous ont sous-estimés. Ils ont sous-estimé notre combat. Eh bien, Madame Mich, si nos artistes avaient été réceptifs, et d'ailleurs, nous en avons qui sont venus vers nous. Hein. Nous avons M. Belkatobi qui a discuté avec nous, qui a compris pourquoi il était important de dénoncer un certain état de choses. Nous avons d'autres artistes qui sont venus. Eh bien, vous voyez, lorsqu'ils font l'effort, nous n'allons pas les déranger dans l'exercice de leur métier. Mais excusez-moi, il y a eu quand même un excès de zèle. Au départ, la preuve, beaucoup ont quitté le navire juste après. Apparemment, quand vous étiez ensemble, vous avez mis sur pied une stratégie. Mais il y a eu des débordements. Il y en a qui étaient contre le fait que vous allez casser, parce que l'ambassade quand même du Cameroun a été cassée. Pourquoi avoir cassé l'ambassade du Cameroun? Mais aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas eu un grand changement parce que le gouvernement, le pouvoir en question est toujours, a tout dit. Est-ce que vous ne voyez pas que les innocents ont payé pour rien? De là à casser quand même l'ambassade, est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes allé trop loin? Nous avons cassé l'ambassade et bien d'autres l'ont brûlé. Ah, bon. Nous avons cassé l'ambassade, nous n'étions pas les seuls. Les Tchadiens ont cassé leur ambassade. Les Sénégalais ont cassé leur ambassade. Qu'est-ce qu'une ambassade, en fait? Qu'est-ce qu'une ambassade? L'ambassade, c'est la représentation d'un pays dans son extraterritorialité. L'ambassade, bon, non, c'est... pas ce geste, madame.
Vous ne regrettez pas ce geste? Non, si c'était à refaire, je le referais. Et vous ne voyez pas que vous avez plongé vos compatriotes, vos jeunes frères, je vais dire, dans une consternation totale? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent quand même sans passeport, sans document administratif. Eh bien, ces gens n'auraient même pas eu de passeport dans le cas échéant parce que le Cameroun ne délivrait pas de passeport ni de carte nationale d'identité à l'heure où je vous parle. Vous savez combien d'années ça prend pour qu'un Camerounais ait une carte nationale d'identité au Cameroun? À l'intérieur du Cameroun, nous avons des millions de Camerounais qui sont apatrides, qui n'ont pas de carte nationale d'identité à l'intérieur de leur pays. Eh bien, le passeport, c'était pareil jusqu'à ce que nous décidions de dénoncer cet état des choses. Les services consulaires camerounais ont toujours été archaïques, voire rétrogrades à la limite. Cela ne justifie pas la raison pour laquelle nous avons cassé les ambassades. La raison pour laquelle nous avons cassé les ambassades, c'était justement pour protester contre l'accaparation par la force du pouvoir par M. Biya. Et il faut rappeler qu'à cette époque, M. Biya avait tiré à balles réelles sur des citoyens camerounais qui essayaient de protester justement contre cet état de choses. Et ça, personne n'en parle. Personne ne trouve la justification pour un gouvernement d'utiliser des balles réelles sur des citoyens à main nue qui protestent. Alors, violence pour violence, et encore que nous n'avons utilisé aucune arme contre qui que ce soit, nous n'avons blessé personne, nous n'avons violenté personne, nous sommes entrés de façon forcée dans les représentations diplomatiques de notre pays, qui sont en effet une extraterritorialité, c'est-à-dire quelque chose qui appartient au peuple, ça n'appartient pas au gouvernement, mais au peuple camerounais. Nous y sommes entrés, nous avons réarrangé l'ambassade, et si c'était à refaire, que le gouvernement de M. Paul Biya le sache bien, si c'était à refaire et s'il s'amuse encore à tripatouiller les élections, s'il s'amuse encore à flouer les Camerounais, s'il s'amuse encore à violenter les Camerounais, eh bien, nous allons faire ce qu'il y a à faire. Nous avons dit, nous allons danser au rythme de leur musique et qu'ils sachent qu'on est prêts. On est prêts à danser au rythme de leur musique. Madame Miche, le combat, ce n'est pas le voix bébé. Combattre un régime de 42 ans, ce n'est pas... Je vais dire, hein, poser des questions, excusez-moi, au général Sandy Boston. Hein. Pouvez-vous envoyer votre demande d'ami ou si vous voulez, qu'il y ait une contradiction, hein, quelqu'un veut dire quelque chose, le général est là. Venez poser vos questions. Tout à fait. Nous sommes ouverts au dialogue et à la discussion. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes venus dans cette émission. D'accord. Et donc, comme je le disais, le régime de M. Biya s'est maintenu en 42 ans au Cameroun en utilisant la répression sauvage, en brutalisant les Camerounais, en les emprisonnant, en tirant sur eux de façon éhontée, en les piétinant. Général, mais vous avez fait la même chose. Quel exemple? Vous êtes pareil. Justement, 100%. Okay. Œil pour œil. Encore que nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armée. Pas de fer quand même. Nous n'avons pas d'armée. Donc, l'ANC en Afrique du Sud avait une branche armée. Mm-hmm. Personne n'en parle. Et oui, les mouvements politiques en temps normal ont des branches radicales et armées qui sont là pour exécuter leur désirata. Mais nous ne sommes la branche armée de personne. Nous n'avons pas d'armes, d'ailleurs. Nous sommes des citoyens indignés et profondément révoltés qui sont prêts à utiliser les méthodes fortes pour répondre à la violence extrême du camp d'en face, c'est-à-dire du régime de M. Paul Biya. Et d'ailleurs, en 42 ans, pour la première fois, on a vu le régime de M. Paul Biya vaciller. On a vu M. Paul Biya qui passait presque trois quarts de l'année à l'hôtel intercontinental être obligé de rester au Cameroun. Concrètement, vous revenez dans le direct, vous m'envoyez la demande d'amis, s'il vous plaît. Excusez-moi, général. Je vous en prie. Nous avons fait bouger les lignes et aujourd'hui, nous n'avons plus ces ministres qui venaient se pavaner dans les rues de Paris au détriment du pauvre peuple qui croupit dans la misère. Nous n'avons plus ces gens qui venaient exhiber leurs richesses ostentatoires dans les rues européennes pendant que le pauvre peuple n'a même pas de paracétamol ou de nivaquine dans les hôpitaux. Oui, il a fallu la force pour imposer cet état des choses et si c'était à refaire, nous le referons. Et justement,
par rapport à cette force. Hein. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, là où on dit tout haut ce qu'on pense tout bas, là où les idées se choquent et s'entrechoquent, là où les personnes peuvent s'exprimer et son langue de voix. Alors moi, je voudrais vous dire ici que toute personne qui veut intervenir près de la parole, envoie la demande d'amis. Moi, je vais prendre la personne. Ou s'il y a des questions, venez les poser au général Sandy Boston qui est là. Pour vous. Le face-à-face, elle est prête pour le face-à-face. Vous voyez bien qu'elle a du répondant et qu'elle est droite dans ses bottes et qu'elle sait où elle va. Alors, madame, pardon, général Boston, vous êtes sans ignorer, ou alors vous êtes d'accord avec moi qu'après ces déboires, hein, après tous ces cas violents, la base s'est divisée en deux. Il y a eu la base grise. La base grise et la base jaune. Je pense que vous, vous êtes du côté de la base jaune. On a vu les départs des grands leaders tels que Barano Niat. On a vu le commissaire Zogo, qui était aussi avec vous, qui est parti parce qu'il n'était pas d'accord avec cette procédure. J'ai comme l'impression qu'il y a eu beaucoup d'infiltrés et que vous, vous avez détourné le chemin. C'est à vous hein, de vous défendre, que hein. Vous n'avez pas respecté les instructions ou alors ce qui a été convenu en interne avec votre groupe. Aujourd'hui, le groupe est divisé, chacun a pris son chemin. En tant que leader, vous personnellement, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, la base est encore solide? Qu'est-ce qu'elle devient votre base? Eh bien, il suffit que le régime teste la base pour voir ce qu'il en reste. L'idée qu'il veut faire circuler dans le subconscient des Camerounais, c'est que la base n'existe plus. C'est que la base est affaiblie. Qu'est devenu, Barano Niat, qu'est devenu, on a vu que vous avez complètement disparu. Enfin, vous êtes resté seul. Ou alors... Non, je ne suis pas seul. Non, non, ça, ce ne serait pas juste de ma part de le présenter ainsi. Okay. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle perception les gens ont de ma présence et ma personnalité au niveau de la base. Mais je peux vous rassurer, excusez-moi. Je peux vous rassurer que la base, elle est bel et bien là. D'ailleurs, vous avez vu dernièrement à l'ambassade de France ces combattants-là que vous avez cités qui étaient présents, ainsi qu'à l'ambassade de Bruxelles. Oui, Calibre qui est parti et qui vous tend la main, qui dit aujourd'hui que ce n'est pas par la force qu'il faut prendre le pouvoir. Il faut dialoguer. Eh bien, général. Eh bien, vous savez, dans les mouvements révolutionnaires, il y a toujours des factions. Mm-hmm. Dans tous les mouvements révolutionnaires. Pourquoi? Parce que chacun a son idéologie et chacun a sa façon de voir les choses. Ces gens qui étaient avec nous, nous avions la même idéologie, la même façon de voir les choses. Nous étions tous en colère. Avec le temps, leur idéologie a évolué. Leur façon de voir les choses a peut-être changé. Le commissaire Zogo, dont vous avez cité le nom tout à l'heure, est même allé de l'autre côté soutenir le régime qu'il combattait autrefois. Et il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont quitté la base. Mais tout simplement parce qu'il a estimé que vous n'avez pas. Il n'a pas été d'accord avec les actes de violence posés. Il n'a pas été d'accord que vous vous comportez de la sorte, alors qu'en principe, vous n'aviez qu'un seul objectif, c'était tout simplement de demander le changement. Eh bien, je ne sais pas si lorsqu'il est allé agresser M. Paul Biya à l'hôtel Le Mérice, c'était dans la paix et dans la convivialité. Je pense que M. Zogo est parmi ceux qui nous ont montré la voie, justement, dans notre manière de protester, parce qu'il était très bien allé agresser M. Paul Biya à l'hôtel Le Mérice. Et d'ailleurs, lorsqu'on n'est pas d'accord avec ses compagnons de lutte, on ne va pas chez l'adversaire. Allez chez l'adversaire veut dire qu'on n'était jamais avec nos compagnons de lutte. Si je ne suis pas d'accord avec mes compagnons de lutte aujourd'hui, je pourrais décider de quitter le mouvement, mais mener ma lutte à ma façon. Je n'irai jamais rejoindre l'adversaire. Rejoindre l'adversaire veut dire tout simplement qu'on n'a jamais été un combattant. Je suis désolée. Je vais vous surprendre en vous disant, excusez-moi, que les rares moments, je suis beaucoup le commissaire Zogo, je suis beaucoup le commissaire Zogo, qui, ma foi, et ça n'engage que moi, hein, que j'estime que c'est une personne neutre qui dit ce qu'il pense et qui est là pour qui est là pour la non-violence et qui est quelqu'un qui essaye d'être pacifique, mais
qui dit les choses telles qu'elles sont, que ce soit, moi je pense pas qu'il a, qu'il est dans un camp, monsieur Junior Zogo. Je pense que le commissaire Zogo étant, il est neutre et qu'il défend tout simplement la vérité. Enfin, ça, ça n'engage pas. C'est le constat que j'ai fait. Après, vous, vous avez votre opinion personnelle, mais ma foi, chaque fois que j'ai eu le commissaire Zogo, qui d'ailleurs, que je salue au passage, qui vous salue aussi, et qui admire votre combat parce qu'il m'a dit, madame la journaliste, moi je le soutiens, je ne suis pas contre. Nous, on peut avoir, il peut y avoir divergence d'opinion, mais moi je soutiens madame Boston, et j'admire son courage, je salue sa bravoure, mais aujourd'hui chacun est dans son couloir. Donc j'ai envie de dire, il n'a jamais dit du mal de vous, il vous admire. Mais par contre, je pense qu'il y a peut-être une mauvaise lecture du fait que vous dites qu'il est de l'autre côté. Enfin, sauf... oui, je suis désolée, mais ça me fait un tout petit peu bizarre de, d'évoquer le cas de M. Zogo, vu qu'il n'est pas là pour prendre sa défense. Cependant, j'aimerais quand même souligner une chose. C'est un constat, hein. Je ne prends pas de défense. Mais oui, vous avez le droit d'avoir votre opinion, oui. Mais à votre opinion, on pourrait opposer moult vidéos de M. Zogo. Moult vidéos de M. Zogo qui appellent la basse Bamileke, les Menchum-Gunchum, qui appellent ses ancêtres, ses oncles à aller casser le pont de Bebda, qui appellent à la violence, qui dit que le Cameroun est attaqué par les Menchum-Gunchum. Et il y en a moult. Ça, c'est des années. C'est des années. Nous sommes dans ce combat depuis 7 ans. Donc, on ne peut pas résumer ça en une phrase. Monsieur Zogo, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière de commissaire au Cameroun, il a d'ailleurs servi sous mon oncle et donc il accuse de l'avoir fait fuir le Cameroun, ce qui est peut-être vrai, hein, parce que vu le fait que je connais ce qui est l'homme, je peux croire à l'histoire de M. Zogo avec Mbengo. Cependant, ce qui concerne son comportement dans la lutte camerounaise, je suis désolée, Mich, pour 99% de Camerounais, Zogo est considéré comme un traître. Ah. Oui, c'est le cas de le dire. D'un côté ou de l'autre, il était contre M. Biya, il a agressé à l'hôtel Le Mérisse, ainsi de suite, il tenait les réunions, il était leader de la base. Et lorsqu'il quitte, il part rejoindre le camp qu'il combattait violemment. Et aujourd'hui, il dit qu'il combat le régime de M. Biya, il est neutre. Ça fait un peu trop de va-et-vient. Madame Boston, on vous appelle, on coule tamto. Je vais traduire. Ça veut dire le tam-tam de Kamto. Tout à fait. C'est Kamto, je pense que vous êtes là pour défendre le candidat Kamto. J'ose croire. Alors, monsieur, on ne va pas. Nous n'allons pas nous focaliser sur la personne du commissaire Zogo, mais nous parlons de lui parce que ça a été un maillon fort quand même, hein, dans au sein de votre groupe, tout comme Calibri Calibro, qui aujourd'hui est partisan de la non-violence. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si ces personnes se sont retirées, telles que le commissaire Zogo, c'est parce qu'il a remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle le tribalisme. Rectificatif, Mich, lorsque tu dis que Calibri Calibro est pour la non-violence, je vais juste te rappeler que ce même Calibri Calibro, en 2021, appelait les Camerounais à prendre les armes pour combattre Paul Biya. Ce même Calibri Calibro, ici, dans Facebook, a fait des levées de fonds pour acheter les armes pour aller combattre Paul Biya. Ce même Calibri Calibro avait un groupe où il disait qu'ils vont faire la révolution armée. Et de dire aujourd'hui qu'il est pacifique, à se poser des questions. Vous voyez bien qu'il s'est retiré. À voir la démarche qu'il entreprend aujourd'hui, il va beaucoup plus dans le sens du dialogue, il va beaucoup plus dans le sens d'envoyer, d'encourager les compatriotes camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Pour voter qui, puisqu'il a dit qu'il ne croit pas aux élections. J'ai du mal à croire aux gens qui font des années et retours sur leurs idéologies. Au début, on a cassé les ambassades ensemble, c'était la violence. Ensuite, il dit qu'il va faire une révolution armée. C'est de la violence et même de l'extrême violence. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il croit aux inscriptions sur les listes électorales alors qu'il ne croit pas aux élections. À se poser beaucoup de questions sur la stabilité de ces gens-là. OK.
Alors, Madame Sandy de Boston, je vous pose des questions parce que je lis en même temps. Je suis le porte-parole là hein, des personnes sans voix et qui m'ont fait parvenir également des questions. C'est pourquoi je vous les pose et je vous titille parce que beaucoup ont voulu avoir hein, les réponses de votre part concernant un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, vous avez répondu et la question que je vais vous poser et là, ça va être l'avant-dernière question, général. Quelle est votre vision par rapport aux prochaines échéances électorales du côté du Cameroun? Pensez-vous qu'il va y avoir élection au Cameroun? Alors, c'est une question très complexe, hein, ça il faut le dire. Mm-hmm. Parce que le contexte camerounais, sociopolitique camerounais à l'heure actuelle est très, très compliqué. Nous avons l'opposition, et en effet, comme vous l'avez souligné, je me surnomme Lonkoule Kamto, le tam-tam de Kamto. Pourquoi le tam-tam de Kamto? Je reviens là-dessus, permettez. Mm-hmm. Le tam-tam de Kamto, parce que le président Kamto et le MRC n'avaient pas de voix au Cameroun. Les médias conventionnels n'osaient pas les inviter sur leur plateau afin de défendre leurs idées. Vous allez remarquer que le MRC ne passe jamais sur la chaîne de télévision nationale et sur tous les médias acquis à la cause du régime. Donc, le président Kamto et le MRC, de ce fait, étaient obligés d'utiliser les réseaux sociaux pour faire passer, pour véhiculer leurs idées. Et donc, dans cet ordre d'idées-là, nous avons justement, pendant ces années de lutte intense, hein, on avait un groupe de patriotes, et c'est là où je reviens sur M. Dogo, qui est même l'un des fondateurs des patriotes soutenant Paul Biya, qui combattait la passe. Alors, vous avez ce groupe de patriotes qui avait une idéologie très, très tribale, hein, très, très, extrêmement tribale, qui animait et alimentait la haine tribale dans la toile. Et parmi eux, il y avait une femme qu'on appelait Berceau d'Afrique. Mm-hmm. Berceau d'Afrique qui, un jour, s'enflamme parce que j'ai brûlé la photo de M. Biya. Et dans ce live, elle dit que je suis Lonkoule Kamto. Mm-hmm. Eh bien, je lui ai dit, Madame Berceau d'Afrique, si c'est une injure, Lonkoule, je suis aussi une fille bêtise, je suis une fille de la forêt, je suis fond, eh bien, j'accepte ce rôle d'être le tam-tam de mon leader, le tam-tam de la voix des sans-voix, le tam-tam de cet homme-là qui a sacrifié sa vie afin que les Camerounais aient un avenir meilleur. Et donc, c'est là où c'est de là que vient mon surnom Lonkoule Kamto, qui m'a été gracieusement donné par les patriotes et que je porte depuis au moins 5 ans aujourd'hui dans la lutte. Tout le monde sait qu'il n'y a qu'un seul Lonkoule Kamto et c'est Sandy de Boston. Donc, revenant sur la situation sociopolitique au Cameroun, comme je vous l'ai dit, elle est très complexe. Nous arrivons à la fin du mandat de M. Paul Biya l'année prochaine et en février déjà, la fin du mandat des députés et des maires qui avaient été élus en février 2020. Seulement, les élections devraient être organisées, mais le pouvoir en place voudrait repousser les élections municipales et législatives parce qu'ils savent que si le MRC, le principal parti d'opposition, allait justement à ces élections, il va glaner beaucoup de sièges à l'Assemblée et chez les maires et dans les régions, ce qui lui permettra effectivement de présenter son candidat de façon libre et officielle. Parce qu'au Cameroun, pour être candidat, il faut avoir à l'élection présidentielle, il faut être dans un parti présidentiel, dans un parti politique qui a une représentation à l'Assemblée nationale. Donc, de un, la seule condition pour laquelle le régime de M. Paul Biya, le pouvoir en place, repousserait les élections d'après la Constitution, serait en cas de force majeure, en cas de situation extrême, qui est peut-être une catastrophe naturelle, ainsi de suite. Or, jusqu'aujourd'hui, ils nous disent que le Cameroun se porte bien. Et si le Cameroun se porte bien, nous nous attendons donc à ce que le calendrier électoral soit respecté et que les élections municipales et législatives tiennent lieu bien en février 2025. Maintenant, quand il s'agit des élections présidentielles, nous sommes face à une situation assez loufoque. L'opposition a un candidat qui est prêt, le professeur Maurice Kamto, qui a formé une alliance autour de lui et qui le porte comme candidat à l'élection 2025. Cette alliance s'appelle l'APC, Alliance politique camerounaise, qui regroupe quelques membres des partis d'opposition, de la société civile, ainsi de suite.
Maintenant, de l'autre côté, en face, bien sûr, il y a d'autres partis d'opposition qui sont libres de présenter leurs candidats. Ça, c'est sûr. L'opposition n'a pas de candidat unique, mais il y a un candidat qui s'est déjà déclaré à travers une alliance de quelques partis et de la société civile. Et ce candidat s'appelle le professeur Maurice Kamto. Vous avez maintenant soutenir. Oui, bien sûr, parce que en 7 ans, depuis la dernière élection présidentielle, nous n'avons pas vu un autre homme politique se dégager dans le cadre de la lutte pour les droits des Camerounais. Nous n'avons pas vu un autre homme politique qui a été torturé, qui a été brimé par le régime en place, justement pour faire prévaloir ses idées. Il est le seul homme politique en 7 ans qui a fait la prison, 9 mois, qui a été en résidence surveillée, 3 mois, qui a eu ses militants embastillés. Il y en a encore qui sont dans les geôles infestes de la soldatesque au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, je leur passe mon salut au professeur Alain Foguet, à Olivier Bibounissac, le porte-parole du président Kamto. Nous avons encore des militants de M. Kamto qui sont dans les geôles infestes. Il y en a qui sont même morts. Il n'y a pas un autre parti qui a payé le tribut lourd de la lutte comme le MRC et son président, le président Kamto. Pour ces raisons-là, il ne nous a jamais trahis. Et d'ailleurs, lors de sa dernière sortie, il a dit au peuple camerounais et à au parti d'en face, au RDPC, que s'ils veulent que le Cameroun entre dans le chaos, eh bien, nous allons danser au rythme de leur musique. Parce que ça fait 7 ans qu'ils suivent la législation, qu'ils les appellent à suivre les lois du pays, qu'ils les appellent à être démocrates citoyens, mais ils refusent, ils utilisent la force, la barbarie. Alors, eh bien, dans le cas où ils n'aimeraient pas que les élections se tiennent, nous allons danser au rythme de leur musique. Pour revenir maintenant au cas du RDPC quant aux élections 2025 qui se projettent à l'horizon, le parti au pouvoir qui a 42 ans de règne non partagé, sans partage au Cameroun, arrive à un moment où son chef est âgé de 92 ans, où il n'a plus ses capacités physiques, intellectuelles, mentales. D'ailleurs, vous l'avez vu au sommet États-Unis-Afrique à New York, où il ne savait même pas qui était dans la salle, où il demandait pourquoi je suis en vedette, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle, où est-elle, il ne savait même pas où il se trouvait. Voilà donc l'homme qui est à la tête du parti État aujourd'hui au Cameroun. Ce parti est profondément divisé. Divisé dans une guerre sanglante de succession à Paul Biya, qui ne peut plus physiquement, intellectuellement se présenter comme candidat. Et dont le peuple même ne veut plus. Le peuple dit clairement qu'il ne veut plus de Biya. En ce moment, il y a 7 ans, on entendait l'appel du peuple. Le peuple appelle à Paul Biya, même comme on savait que ce n'était pas l'appel, mais il y avait quand même des appels du peuple. Mais au jour d'aujourd'hui, personne n'ose plus appeler à la candidature de Paul Biya parce qu'on sait qu'il ne peut plus diriger ce pays. Donc le RDPC se retrouve dans une situation où le leader incontesté est très, très vieux et ne maîtrise plus l'appareil de l'État. Le parti est profondément divisé. Nous avons un camp, le camp des Boulous, qui maîtrise le parti politique, et un camp, le camp des Nanga, dont est originaire l'épouse de Paul Biya, qui maîtrise l'appareil de l'État. Or, pour être candidat à une élection présidentielle au Cameroun, il faut être investi par un parti politique. Et donc, le camp Boulou qui maîtrise le parti RDPC, accepter une candidature du clan Nanga. Et le clan Nanga, qui maîtrise l'appareil de l'État, va neutraliser tout candidat du clan Boulou. Donc le RDPC se neutralise en interne. Ils sont incapables de s'entendre sur qui pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Et donc, dans ce cas de figure, puisqu'ils savent qu'ils n'ont pas de candidat, ils pourraient, et je pense que c'est ce qui est en train de se préparer, créer le chaos et voir un coup d'État pour empêcher que les élections se tiennent lieu, aient lieu. C'est d'ailleurs pour cela que le président Kamto a fait une sortie où il parlait d'un coup d'État militaire ou d'un coup d'État électoral qui est en préparation.
Parce que tout le monde sait, tous les indicateurs sont là pour dire que s'il y a élection, l'opposition va gagner. Et le RDPC n'a pas de candidat. Or, le RDPC veut garder le pouvoir. Comment le RDPC va s'arranger à garder le pouvoir en créant une situation de chaos? Voilà, en grosso modo, ce qui est en train de se projeter à l'horizon au Cameroun. Et nous leur disons qu'ils ne vont pas mettre ce pays à feu et à sang pour se maintenir encore au pouvoir pour 50 ans. Les Camerounais ne vont pas les laisser bafouer la Constitution, bafouer la volonté des Camerounais pour se maintenir au pouvoir pendant encore 50 ans. D'où, je pense que d'où la proposition quand même de Calibri Calibro, et je vais dire, vient à point nommé. Est-ce que c'est le moment d'énerver les populations? Étant donné justement, ma foi, que vous avez ce nombre d'informations, cette information qui se prépare peut-être quelque chose, est-ce que ce n'est pas le moment d'apaiser les tensions et de pouvoir changer de stratégie? Déjà, mais je ne suis pas au courant des propositions de Calibri Calibro parce que je ne le suis pas. Ah. Et, oui, je ne le suis pas. Il faut que je le dise de but en blanc comme ça. Monsieur Calibri Calibro propose de changer de stratégie qui est de la non-violence, mais qu'on communique, qu'on dialogue. Je suis quand même assez étonnée parce qu'il y a moins de 3 ans, le même Calibri Calibro était prêt à tout brûler. Oui, général, on prend de la maturité, on prend du recul et on change de stratégie quand on voit le peuple a du mal à suivre les gens qui changent comme qui tournent comme des tourbillons. Je suis désolée. Le peuple aime la constance, le peuple aime la stabilité. Le peuple a vraiment, je sais pas qui pense aujourd'hui que c'est en calmant le peuple qu'on va prendre le nom. Monsieur Calibri Calibro a son idéologie. D'accord. Tant mieux pour lui qu'il la distille à ceux qui l'écoutent. Mais quant à ce que nous savons. Général, vous allez quand même changer de stratégie pour les prochaines échéances. Ne dites pas que vous allez quand même revenir avec la même force, le même engouement. Madame, ce n'est pas dans les réseaux sociaux que je vais dévoiler ce que nous préparons. Ok, d'accord. On ne dévoile pas. C'est que nous avons une stratégie, que ce soit une stratégie politique ou alors une stratégie activiste. D'accord. Nous avons des stratégies qui sont en préparation. Okay. Et en tant que... Voilà. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux que je vais venir dévoiler ce que nous préparons. Exactement. Mais que le camp d'en face sache que nous sommes prêts et que nous sommes sous pied de guerre. Voilà. Action, réaction. Le message est très fort. Le message est poignant. Vous voyez donc que le général Sandy Boston est droit dans ses bottes et qu'elle est plus que déterminée à poursuivre ce combat. Je me mets dans la peau du citoyen lambda pour pouvoir poser des questions parce que nous l'avons en face de nous ce soir. Le général Sandy Boston a été très, très demandé. Pendant plusieurs mois, les internautes m'ont demandé de faire passer cette dame sur ma tribune. Et aujourd'hui, je pose tout genre de questions parce que excusez-moi, chers internautes, je ne pourrais pas poser toutes les questions parce que là, le temps nous est imparti. Donc, j'ai posé les questions le peu que je pouvais. Vous avez eu vos éléments de réponse. Vous savez que le général répond sans langue de bois. Donc, vous savez comment ça se passe. C'est l'heure juste de vérité. Mais je ne pourrais pas poser toutes les questions. Franchement, excusez-moi. Alors, Madame Boston, nous allons maintenant clore ce côté politique, cette page politique, parce que j'ai une question et ma foi, je voudrais que vous regardiez la caméra par rapport. J'ai deux dernières questions assez sensibles à vous poser. Ils sont en rapport un tout petit peu avec, votre vie privée. Vous êtes libre de répondre ou pas. J'en parle parce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et on n'a pas trop su comment vous avez fait pour surmonter. À partir du moment où un problème se retrouve sur les réseaux sociaux, nous sommes obligés de vous poser la question. Concernant la page politique, on va clore cette page. Si aujourd'hui, regardez tout droit la caméra, si le côté
adverse, je vais dire la partie adverse, je vais dire le parti au pouvoir, vous tend la main pour essayer une quelconque collaboration, est-ce que vous allez accepter donc le seul et unique but, c'est la patrie pour le meilleur, au Cameroun, pour, je vais dire, la patrie. Est-ce que vous allez adhérer, ne serait-ce qu'au dialogue avec le parti au pouvoir, au jour d'aujourd'hui? Merci. Merci, Mich, pour cette question. Il serait prétentieux de ma part d'imaginer que c'est à moi, ma petite personne, que le régime d'en face tendrait la main. Les propositions de dialogue ont été faites depuis 2018 par le président Kamto, qui a appelé à la table le régime d'en face pour leur demander de s'entendre sur une sortie de crise qui serait appropriée non seulement pour tous ces Camerounais qui réclament l'alternance, mais aussi pour eux-mêmes, ceux du régime. D'ailleurs, le président Kamto a toujours dit qu'il ne va pas faire la chasse aux sorcières. Pour vous dire que je suis derrière un leader qui est prêt à dialoguer avec le camp d'en face, si et seulement si ceux-ci mettaient la patrie, comme vous l'avez dit, d'abord. Maintenant, évidemment, j'ai eu ces approches. Vous avez certainement vu le directeur du cabinet civil que j'ai appelé oui. une fois dans mon live. Mm-hmm. Oui, j'ai été approchée pour une demande de dialogue et à ces gens, je leur ai dit ce que je vous dis aujourd'hui. C'est que je ne suis pas la personne appropriée pour initier ou entretenir un quelconque dialogue avec le gouvernement. Je suis dans la politique et je suis activiste aujourd'hui parce que je suis derrière un leader idéologique qui a les capacités politiques, intellectuelles et morales pour justement entretenir et même initier ce genre d'entreprise avec les gens d'en face. Nous n'avons jamais dit que nous allons brûler le Cameroun et tuer tous les Camerounais pour régner en maître. Nous reconnaissons que nous allons devoir travailler lorsque nous allons prendre le pouvoir avec les fonctionnaires qui sont en service, avec l'armée qui est en service, avec la même police. Vous êtes sûr que vous allez prendre le pouvoir? Nous allons prendre le pouvoir en 2025, c'est une D'accord. certitude. Et nous allons travailler avec ces fonctionnaires d'État qui ont servi la nation. Pour ceux-là qui ont mis vraiment la nation devant, nous allons leur ouvrir les bras et nous allons travailler et les traiter avec tout le respect qu'ils méritent. Maintenant, en ce qui concerne moi, Sandy de Boston, intuiti personae, croyez-moi, mes convictions, elles sont ancrées dans mes tripes. Elles ne s'achètent pas, elles ne se négocient pas, elles ne se vendent pas. Je suis l'une des rares qui a essayé d'intenter à sa vie par indignation au Cameroun. Et quand je dis intenter, je dis intenter. La presse anglaise a titré, mes collègues étaient là, ils l'ont vu, ils l'ont vécu. C'est comme ça le direct, envoyez des cœurs. Et donc, lorsque vous arrivez à ce niveau de combat où votre vie n'est pas plus importante que vos convictions, où vos enfants sont relégués au second plan, où votre vie privée, votre profession est reléguée au second plan, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, ça ne se négocie pas. La seule négociation possible pour moi serait de voir le régime de Biya partir et de voir un régime nouveau prendre les rênes du pouvoir et améliorer les conditions de vie des Camerounais. C'est tout ce qui donnera un sens à mon combat. Et lorsque je l'aurai vu, je me dirai, mon combat n'a pas été inutile. Si aujourd'hui un Camerounais a un verre d'eau, a de l'eau potable chez lui, a de la lumière, je dirais, vraiment, mon combat a payé. Mes enfants ont été sacrifiés, mais ça en valait de la peine. Donc, Madame Mich, voilà en grosso modo la réponse que j'ai à cette question. Quiconque voudrait négocier avec moi, va d'abord négocier avec Maurice Kamto, mon leader. Il n'est pas mon leader parce que je suis dans son parti. Il est mon leader idéologique parce que je l'ai choisi comme leader. C'est moi qui le choisis. Il ne me choisit pas. Il ne me connaît pas, mais moi, je le choisis et je le suis. Un dernier
message à l'endroit des populations camerounaises hein, par rapport aux listes électorales? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Eh bien, les Camerounais, vous savez, Mich, aujourd'hui, je suis une femme comblée. Mm-hmm. Je suis une femme comblée parce que je vois l'engouement des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Même dans mes rêves les plus fous, il y a 3 ans, je n'imaginais pas cela possible. Parce que les Camerounais avaient peur de s'impliquer en politique. Parce que les Camerounais ne voulaient même pas entendre. Ils disaient, non, 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 la politique aux politiciens. Les Camerounais étaient résignés à leur misérable sort. Aujourd'hui, ils comprennent qu'ils ont une voix. Aujourd'hui, ils savent que leur vote compte. Aujourd'hui, ils savent qu'avec un bulletin de vote, ils peuvent sanctionner ce régime. Crois-moi, Michel, c'est pour ça que je ne me démène plus à demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Mes camarades de lutte le font assez bien et même très, très, très bien. Mmh. Ma lutte aujourd'hui, elle est sur d'autres fronts, mais je dors tranquille parce que je sais que le peuple camerounais a pris conscience et je sais qu'en 2025, il va faire prévaloir sa voix. Et je sais qu'en 2025, le peuple va défendre son vote. Le peuple va le surveiller. Le peuple va défendre son vote jusqu'à la liste s'il le faut. En tant qu'une activiste de la brigade anti-sardinard, et là, je vais devoir toucher un point très sensible, général, malheureusement, parce que ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. En tant qu'activiste de la brigade anti-sardinard, on a vu un temps soit peu que vous étiez la femme à abattre, je veux dire moralement et peut-être aussi physiquement. En tant qu'une combattante redoutable, vous avez été quand même au cœur d'un scandale. Pouvez-vous nous dire, en regardant droit, nous n'allons pas révéler les contemporains, mais vous demandez comment avez-vous fait pour surmonter cette épreuve, parce que ça a été un boom sur les réseaux sociaux. Une affaire concernant le général Sandy de Boston, je peux imaginer que ça a été très dur pour vous et que les appels ont peut-être fusé de partout, que vous avez traversé une période assez difficile. Alors, comment avez-vous? Eh bien, Mich, si je te dis que ça a été facile, ce serait un mensonge parce qu'après tout, je suis humaine, je suis une femme dotée de sensibilité et ça a été un moment très difficile, très, très, très difficile. Je suis passée par la dépression où je n'arrivais pas à sortir de ma chambre, les rideaux fermés. Je ne mangeais presque pas, je ne dormais pas. Mais cette période, je l'ai traversée et j'en suis ressortie plus forte grâce à l'amour que j'ai découvert. En effet, c'est cet événement qui permet que je découvre à quel point les Camerounais me portaient à cœur. Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas que le peuple camerounais nous suivait. Moi, je pensais qu'on faisait notre petit truc dans la toile. D'ailleurs, ils venaient nous insulter. Ah, vous êtes les combattants Facebook, ah, machin. Donc, je ne m'étais jamais prise au sérieux, quoi. Je me disais, je suis juste une combattante comme toutes les autres qui fait ce qu'elle a à faire. C'est cet événement qui me permet de réaliser à quel point le peuple camerounais, non seulement au Cameroun, mais en diaspora, me portait à cœur. Il y a la déferlante d'amour que j'ai vécue pendant plus d'un mois où la toile était saturée de postes de soutien, de messages de soutien. Ça m'a remonté. Mais surtout auprès de moi, en cette période, j'ai eu la chance d'avoir des personnes très bienveillantes qui étaient à côté de moi, hommes comme femmes. Je commence par la Basse UK. La branche de la Basse basée au UK qui immédiatement m'avait convoqué à un restaurant. On est allé en boîte de nuit s'amuser juste pour me faire changer les idées.
ces femmes et ces hommes de la base qui m'appelaient tous les jours mm-hmm. pour s'enquérir de mon état. Devenir votre deuxième famille. Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Et autour de moi, j'avais des personnes très proches qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment prise en charge, ça je le dirais, mm-hmm. qui m'ont remonté, qui m'ont redonné confiance en moi. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, je vois une Sandy qui est plus confiante, qui est plus déterminée, qui est en train de réussir professionnellement. Je mm-hmm. dis merci à ces gens et je ne leur dirai jamais assez merci parce qu'ils m'ont aidé à me réaliser en fait. Ils m'ont aidé à ouvrir les yeux et à me rendre compte de ce que il y avait beaucoup plus dans la vie, quoi. Mm-hmm. Qu'il y avait, que j'avais quelque chose, wow. un objectif à atteindre. Mm-hmm. Donc, je leur dis merci et je leur serai toujours infiniment reconnaissant. Et croyez-moi, la famille, les amis, c'est dans les moments difficiles qu'on sait quel est leur rôle. Vous avez un message particulier à toutes ces personnes qui vous ont soutenu. Je vous laisse l'occasion de dire ce que vous pensez d'elle, du fond de votre cœur, à vous la tribune. Mais oui, elles le savent de toute façon parce que je suis quelqu'un de très émotionnel. Hein. Je suis quelqu'un mm-hmm. qui exprime ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Ces personnes-là qui étaient autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, mm-hmm. Mes compagnons de lutte de la basse, savent à quel point je les aime. Et je dis sincèrement, je les aime. Je les aime de tout mon cœur. Ils c'est profond. Savent qu'ils peuvent compter sur moi. Mm-hmm. Tous ceux qui me côtoient savent que je suis quelqu'un qui se donne à 3000%. Quand j'aime, j'aime avec toutes les cellules de mon corps. Et donc, ces personnes-là savent que je les aime. Elles savent qu'elles peuvent compter sur moi, de jour comme de nuit. Elles savent que si elles crient, elles pleurent, je serai toujours là. Et que j'ai toujours tout fait pour leur démontrer l'amour que j'ai envers elles. Je leur dis merci. Merci d'être présent dans ma vie. Merci d'être autour de moi. Magnifique. Et surtout, merci de parfois, parce que je suis très têtue, hein, mm-hmm. très, très têtue. Merci de me cogner parfois la tête quand je refuse d'écouter vos conseils. J'ai la chance d'avoir le caporal Grillé qui est un second père pour moi, à qui je ne cache rien, mais vraiment rien, qui me conseille, qui m'oriente, qui... Voilà. Une père divine, oui. Et quelques autres personnes très, ouais. très bienveillantes. Je très les bien. Aime. Vous avez des blogueurs Gabonais qui sont dans ce direct qui vous font un coucou au passage. C'est un très beau message de fin. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Vous venez de faire ce qu'on appelle vous êtes donné à cet exercice de la c'est un exercice thérapeutique. Vous venez de vous libérer et il était temps que vous dites clairement que vous remerciez tout le monde. C'était une opportunité pour vous d'honorer ces personnes qui sont toujours près de vous. Vous savez, quand vous êtes sur votre tribune, c'est différent que quand vous vous exprimez ailleurs. Et là, vous êtes devant toute l'Afrique. Et sachez que ces personnes vous aiment parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Avez-vous porté plainte à vos bourreaux ou pas? Ou vous êtes passé à autre chose? C'est la dernière question qui clôt cette émission. Mais oui, j'ai porté de multiples plaintes, 2 plaintes en France et 1 plainte en Belgique. Il est important de dire aux gens que nous sommes dans les réseaux sociaux, mais nous sommes des êtres humains. L'anonymat des réseaux sociaux ne nous donne pas le droit de détruire les vies des gens. Mmh. Et que les gens sachent que derrière ces réseaux sociaux, il y a aussi, nous sommes en Europe, hein, il y a des forces de justice et de droit qui vont prendre assez de temps pour démêler tous les fils de la toile. Donc, que les gens ne pensent pas qu'ils vont aller se cacher derrière un faux profil pour faire du mal aux autres. Ça finit toujours par vous rattraper. La preuve, mon compte WhatsApp a été piraté et le pirate aujourd'hui est en train de lire en prison. Donc, mais oui. Merci pour l'information. Mais oui. Facebook ou les réseaux sociaux ne sont pas une jungle où les gens vont se cacher pour vouloir détruire de façon gratuite les vies des gens. Exactement. Nous pouvons nous tirailler, nous pouvons nous chamailler, mais
éviter toujours d'intenter à la vie de quelqu'un, à sa profession, ainsi de suite. Ben oui, les plaintes ont été portées et j'en profite ainsi pour souligner, et je pense que là, ce sera peut-être le mot de fin de ma part, sauf si tu as d'autres questions. Donc, c'est terminé, c'était la dernière. Vous pouvez aussi conclure. Il n'y aurait pas de Sandy de Boston, on ne parlerait pas de Sandy de Boston s'il n'y avait pas eu tous ces combattants autour de moi qui m'ont porté, qui m'ont soulevé, qui m'ont accompagné. Lorsque j'entre dans ce combat, le caporal Grillé Kemta que j'ai cité tout à l'heure m'accueille, il m'oriente, il me guide, il me met le pied à l'étrier. Je l'émule, je le copie. Il est mon idole parce que je vois comment il se déploie sur le terrain. On ne parlerait pas de Sandy de Boston s'il n'y avait pas eu un Brice Ninche qui a été mon maître en communication, qui m'a tout appris dans l'art de la communication. Et tout le monde sait combien cet homme est brillant en communication. Et aujourd'hui, je peux me taguer d'être une des meilleures communicatrices de la Révolution camerounaise. Je dis merci du fond du cœur à M. Brice Ninche, un de mes mentors, qui m'a appris l'art de la communication. Je ne serais pas Sandy de Boston s'il n'y avait pas tous ces combattants qui sortent sur le terrain avec moi, qui assurent ma sécurité, qui se rassurent que l'ennemi ne m'atteint pas. Je suis la cible aujourd'hui de toutes les attaques du gouvernement, que ce soit sur le terrain ou ailleurs. Et mes compagnons de lutte, chaque fois que nous sortons, gardent un œil très précieux sur moi. Parce qu'ils savent que si on m'humilie, on aura humilié toute la révolution camerounaise. Et pour ça, je baisse la tête devant eux et je leur dis merci. Merci pour l'amour, le respect, la diligence que vous me donnez. Et je vous assure que je vous le rends au centuple. Chacun d'entre vous, le combat que vous menez, je le respecte au centuple. Parce qu'il faut de toute cette main, de toutes ces mains pour faire un tout. Sandy de Boston n'est rien sans ses compagnons de lutte. Merci. Message très émouvant et c'est un message à double facette. Message de reconnaissance. Message, je vais dire, très touchant. C'est avec plein d'émotions, mais le général reste le général. Elle reste debout. Mais vous avez compris aujourd'hui que c'est exprès que je lui ai soumis, que j'ai essayé de soumettre cette dernière à cet exercice parce qu'il était temps qu'on découvre sa face cachée. Donc pour moi, généralement, on en face de nous un général très dur, très engagé, très déterminé, courageux. Mais ce soir, j'ai fait parler son cœur. J'étais très technique. C'est difficile de voir le général s'ouvrir comme ça. C'est aussi pour vous démontrer qu'en dépit de tout, elle reste une femme, une mère. Elle a un cœur et elle reste, après tout, humaine. Merci à tous les blogueurs gabonais qui étaient dans ce direct. Merci à Rupert Condivine. Merci à toutes les autorités camerounaises qui étaient dans ce direct. Merci également à toutes ces personnes qui soutiennent le général Sandy Boston. Merci à tous les Camerounais qui ne ménagent aucun effort pour propulser ma page. Merci également à tous ces internautes. Ma foi, nous partons maintenant à 2 ans d'émission qui maintiennent toujours leur juste de vérité. Même quand je suis fatiguée, on m'interpelle, on m'écrit, on veut leur juste vérité, on veut leur juste vérité. Ce soir, je vous dis et je vous rappelle que nous avons reçu cette grande figure de la résistance anti-via, cette grande dame qui est toujours là, combattante de la première heure, qui défend, je vais dire, la culture camerounaise, qui défend ses idéaux, qui est là pour le changement. Nous
allons voir ce que nous réserve 2025 avec son mouvement. Je pense qu'elle reviendra chaque fois qu'on aura besoin d'elle. Mais je préfère la recevoir à des périodes très stratégiques. Parce qu'après tout, elle reste le général Sandy Boston. Merci encore, général, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour le soutien que vous apportez à la page. Vous avez rehaussé cette page de par votre présence. Merci encore de soutenir les jeunes femmes africaines qui se battent. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Je vais devoir vous libérer et vous dire au revoir. On va raccompagner le général avec cœur. Toutes ces personnes-là qui aiment le général Sandy de Boston, envoyez les cœurs. Nous allons raccompagner cette dame avec fierté et honneur. Merci encore, général. Excellente soirée à vous. Et je vous dis à bientôt dans un autre cadre, dans un autre contexte et peut-être encore pour un nouveau dossier chaud de la toile. Excellente soirée à vous. Au revoir. Au revoir, Mich. Bonsoir au président Oligui Nguema. Merci. Voilà, qui commence bien, finit bien. Ah oui, je vois des cœurs et des cœurs. L'émission Leur Juste de Vérité est arrivée à son terme. On sait généralement quand on commence, mais on ne sait pas quand on termine. Merci encore pour votre soutien. Je vous reviens avec une autre invitée ou une autre invitée. Merci à Glam Style Glory, je vais épingler. Allez-y soutenir cette dame. Soutenez cette dame, Glam Style, c'est elle qui vous a présenté ses vêtements tout à l'heure. C'est l'Afrique qui gagne. Merci Herman Bostonien. Herman, merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que cette émission avance. Et pour votre information, nous allons célébrer l'année prochaine les 200 émissions de L'Heure Juste de Vérité. Et pour ceux qui ont envie, nous allons ramener tous ces intervenants, toutes ces personnes, tous mes invités qui ont participé à cette émission. Épingler le numéro de téléphone. Merci encore pour votre soutien. Que Dieu le Tout-Puissant vous garde. Je vous souhaite un excellent début de semaine et surtout remettez vos vies entre les mains du Seigneur avant d'aborder la nouvelle semaine. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci encore. J'allais oublier à toutes ces personnes. J'ai une liste de soirées. Vraiment, je ne vais pas honorer à toutes les soirées, mais j'en ai retenu 3. Merci encore pour l'amour que vous me portez. Merci à toutes ces invitations pour mes soirées. Franchement, je suis débordée. Merci, merci infiniment. Je resterai toujours humble auprès de vous parce que ce n'est pas seulement moi qui tiens l'émission, mais c'est grâce à vous que cette émission existe toujours. Merci à mon équipe de community management. Merci à tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.